guerre est déclarée. Ça n'a pas, n'a pas, n'a pas. Ça n'a pas, rivalisé. Ça n'a pas. Chronique des alcooliques. Ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. Vendredi, je suis sur Fanny, je check mon frère au Jones. They be asking us questions like, is LCDR really on top? Gang. I say, hell yeah. Squad. Hell yeah. Hell shit. Yeah. Fucking right. Fucking right. All right. LCDR. LCDR on top. Bienvenue à notre épisode des Chroniques des Alcooliques. You already know the vibe. We back at it. Strong. Sur ce, je suis votre host Hollywood, The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardzilak, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Yes, sir. Je suis back après une semaine extrêmement dure. Sportif. Oh, mon Dieu. Oh, boy. Je suis même saisi que je suis là. Gardzilak, t'es bon? Sans plus tarder, notre voice from the back, that's no more in the back. Edlin, le philosophe, you already know. Yeah, yeah, yo, juste gros beef today. Oh, oh. M'a vint sous nous. OK, OK, OK. Let's go. Et nos invités tonight. Ah ouais. Hot nos, seat. Nos confrères. Mm-hmm. Nos confrères podcasteurs. Yo. Les hosts, co-hosts du podcast yes, Le sir. Temps du juge. Yes, sir. Yes. Ouais. On a DJ Crowd. Squad up! Et on a Mr. J7. What up, what up, what up, what up? Ooh. What's up, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? La chronique des alcooliques, ça en a. Hey, hold up. Shout to Pish. Shout to Paul Yassi. Yo, the game. Let's go to plasma. Let's go. Yo, on est même pas sur le temps de juger. C'est même pas le temps de juger. Vous connaissez pas Crowd, guys. C'est rendu, faire. Man. Même quand let's c'est pas. Let's go, on commence l'émission comme ça. Comme ça, t'as dit. Comment ça va? T'as fait ça, cagué ça comme let's en 1990. Go. Là. Comme let's ça, go. Ça, ça veut dire Lego. Que DJ Crowd et vous êtes. Lego. Ça, là, OK, Lego. OK, yo, here we go. About that life. Here we go. Yo, c'est pas une Colt 45, là. Yo, oh, ouais, Crowd about that life. Yo, shout a pinch, Pipolo, man. Gang shit. Yo, le bodyguard, tu vas le mettre sur ton dos, oui? Yo, on n'a pas de sang. Yeah, by the way, les gars sont venus avec leur bodyguard. Yo, c'est ces bails-là. Ils ont cet alcool-là, right? Ouais. Cette bouteille-là, puis elle, right? Ouais. Yeah. Yo, c'est. Comment je pourrais dire ça? Douce! En tout cas, le gars est vide, là, tu sais, pour pas qu'ils disent que je suis capable. Ah ouais. Okay, de game les bails. Ok, ok. De game les bails. Merci d'être venu, guys. Ça fait plaisir, man. You already know, on fait un back and forth. Ben ouais. Yeah. Back and forth, hein? Comme Alia. Back, oh. Back, forth. Ok. OGs. Ok. Shout out to R&B heads out there. Shout out, shout out, shout out. Baby making music. If you know, you know. Yep. 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 Ben oui, man, back and forth, c'est cool parce que vous êtes passé au temps d'un jujube. Là, nous, on vient chiller avec vous, you know what I mean? But, yeah, yeah, yeah. Mais je sais pas, on est arrivé, puis il y a une atmosphère un yo, peu. Yo, ouais, oh, vous avez vu le gardien là qui a un petit genre bizarre, on hein? Dirait, vous êtes comme yo. Rancunier. Ah, bon, moi, non, moi, je suis belle. Moi, je vais moi, j'étais belle. Moi, je peux mentir. Je te demande attaque. Comment ça, bro? On est deux, on est deux. Moi, je suis gros bif. Comment ça, bro? Yo! Et t'es où mon invitation? Vous êtes fréquent. Attends une seconde, attends une seconde. Fuck! Non, mais attends, moi j'ai dit apportez-les, ils m'ont dit oh, yeah. On est correct. Ils ont dit, oh, on sait. Ils ont dit le spotlight, il y a juste deux places ouais. Dedans. Oh, yo! Oh, non, les gars sur parole! Oh, wow! En plus, le pire, c'est que j'ai dit, on a deux, trois autres chaises. J'ai même voulu que John Z. Yo, John Z. Yo, sincèrement, en tout cas, c'était le gars qui devait prendre ma place. Cap! For real? Encore cap! Non, ils ont dû prendre ma place! Oh mon Dieu! Attends une minute, là, c'est quoi? Attends une minute, c'est chronique des alcooliques, personne n'a bu à part moi. Faites-vous un verre quelqu'un? Yo, on a fait un verre! On a fait un verre! Avant tout, yes. Faut qu'on sache comment était votre semaine, guys? Excellent, man. Bien relax. On a fait une émission avec vous autres. You know, regular week, man. C'est ce qu'on fait tous les semaines. Mm-hmm. Ouais, très nice. Moi, transfert on deck. J'ai une coupe de login. OK! Campeur CVV? Oh non, non. Ben non, j'ouvrais des emails de business. Ça n'a pas rapport à ça. Come on, guys. Come on, guys. Je parle des record labels.
OK. C'est bon. C'est check ça, ton chasse ce partenaire-là, man. OK. Edlin, je serai tranquille. Yo, moi, j'ai commencé mon congé de paternité. Ça fait un an et demi que je le repoussais. Oh, nice. Fait que là, le gouvernement m'a dit, oh, tu le prends ou tu le perds. Je l'ai pris, man. Yes. L'école laguée. That's what's up. OK. Daddy do deeds. Ouais. Hey, attends une minute, les gars. C'est le temps de jujube, là. Tout le Québec en entier, regardez ça. On va en donner un à Gardilac, mesdames et messieurs. Jamais de la vie. Attends une minute. Hey, yo, les gars, je touche. Les caméras sur Gardilac, s'il vous plaît. Qui qu'il veut? Ah, tu veux pas? On sait pas quand est-ce l'épisode du temps de jujube va sortir. Allez checker ça, ça va être fire. Vivre plus longtemps. Okay. Moi, je vais vous raconter ma fucking semaine. Okay, attends une seconde. Le Hollywood, il a dit, il est venu, il a eu un bon temps, c'était fun. So, j'ai raconté ma semaine. OK, vas-y. Lundi commence. Je suis content, yo. On est invité. L'auteur de jujube. Je suis chaud. Je sais pas à quoi m'attendre. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Mais là, et tout le monde qui me connaît savent que je suis pas un gars de weed. Je suis un gars de tafia. Je bois mon tafia. Sur les bails jujube, les bails bon, je sais pas c'est quoi. J'arrive là, quand me dit « Oh! Il y a un rhum avec un peu de THC dedans, whatever, on fait une shot. » Moi, ignorant que je suis, je prends la shot. Bah! Ça commence. Après, je sais pas ce qui s'est passé par la suite, on a pris un autre jujube. On était rendu au truc coupable, non coupable. Ouais. Il me donne un autre jujube et il me dit « Oh, celui-là a moins de THC. » C'est celui-là qui goûtait plus le boom. Ben ouais. Oh non, mais c'est vrai. Il y en a moins, bro. Il est moins fort. Là, je suis comme « Hein? » Il me donne un autre. Yo, les gars, je vous jure. J'ai pas vu personne en prendre un. Mais non, j'en veux pas, moi. J'en veux pas, Je suis bon. I ain't never scared. I'm just saying. Est-ce qu'il veut des jujubes? Bon. Oh! Wow. Shit! Wow! Tu vois que ce partner-là a jamais joué au football. Ceux qui me connaissent savent, Ace Girl Weed. Pour finir mon story. Voyez, je suis correct qu'on est sorti du podcast, là. J'étais correct, j'étais posé. J'embarque dans l'auto, tu sais. Je suis posé, là, tu sais. Ça creep. On arrive au Joe Panini, je prends deux sandwichs comme si j'avais fucking faim. Un bon pit stop. Bon pit stop. Écoute, so far you're doing good. Écoute. Je rembarque dans l'auto. Le shit a kick in. So là, maintenant, je suis dans l'auto puis je comprends rien. Là, je suis comme, yo, comme j'ai une lumière. Yo, est-ce que je pèse sur le frein? Yo, je sais pas si je dois avancer. Yo, je suis trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Yo, tu sais là, les chiens, là. Tu conduis. Oui. Tu sais là, les chiens, là, quand tu les vois dans une auto qui sort leur tête, comme si pour prendre du vent. Yo, j'étais comme un chien en train de conduire, ma tête devant prendre de l'eau, du vent. Yo, je comprends rien. Je suis en train de transpirer, whatever. Puis je suis en train de suivre Jonesy. Là, je dis, yo, j'appelle Jonesy à mon ami, je suis comme, yo, Jones, je peux pas conduire. Yo, les gars. C'est mon boy, Lobo, chance pour moi qui était là, il embarque dans l'auto, il conduit pour moi. Yo, je paranoie. Ah ouais. Yo, il était en train de paranoïer. Je suis comme, yo, c'est comme si j'entendais des voix à mon ami, j'entends un bruit, j'entends un pow. Là, je dis, yo, c'est quoi ce bruit-là? Major way. Il me dit, yo, bro, il n'y a pas de bruit. Est-ce que j'ai entendu un bruit, bro? Il me dit, non, il n'y a pas de bruit, bro. Je suis comme, what the fuck? Yo, mon téléphone sonne, je peux pas répondre. Yo, je suis fucked up. J'arrive devant chez nous. Collapse! Mon corps a gelé. Je pouvais pas sortir de l'auto. Oh, là, à un moment donné, comme je sens que mon cœur est en train de sortir de mon chest. Je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Yo, j'ai sorti tout le Joe Panini, mon gars. Oh my God. Collapse! Blah! Vomi dans mes cheveux. Yo. Right there on tape. Puis là, il y avait des oiseaux, ils mangeaient du riz extra légumes. Non, ils mangeaient le poulet avec le maïs. Oh my God. Wow. Yo, John Z me dit, yo, bro, il faut que tu sortes de l'auto. Je prends une grande respiration. Je me lève et je marche, mais il me tient parce que je suis pas capable de marcher. Marionnette! Oh ouais, marionnette, là. Il me tient, je rentre. Là, j'entends mon fils qui me dit, « Papa, je t'avais dit de pas prendre les jujubes! » J'ai même pas de force pour dire, « Ferme ta gueule! » Oh my God. T'as déjà été fucké comme ça dans ta vie ou c'était... Non, c'était la... Pour c'était le vrai, dans tes tops? C'est... Ouais, mon top. Ah, we did it, man. T'as vu, moi, je voulais juste avoir une bonne entrevue, mais sure. Hein? Yo, bro, I did it. Yo, bro. J'ai quand même le jujube avec Chronique Pour le vrai, je vais pas mentir, j'ai pas aimé le vibe.
Arrête, comment? J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Je me sentais... L'affaire, c'est que je me sentais gelé et stupide. Mais je pouvais pas sortir de ça. Je savais que j'étais imbécile. Habituellement, il est juste stupide. Ouais, habituellement, il est stupide. Non, mais je sais que je peux arrêter d'être stupide. Là, je cherchais que je peux... J'étais pas capable. Là. Ça ressemble à ce que je te disais, que ça m'a déjà arrivé dans un épisode, quand j'avais la tête entre les jambes, j'étais plus capable, puis j'ai pas fini l'épisode. Yo, bro, hard. I was motherfucking high. C'est tout ça que je peux te dire. C'était un regular moi, j'étais high, mais j'étais strapped. Ouais, mais toi, t'en as pris quand même pas yo, mal. Yo, j'en ai pris paquet. Yo. Mais j'étais still bon. Ben ouais, j'étais fini, j'étais high. Ouais, moi aussi, mais moi, j'étais juste déshydraté. J'avais besoin de boire de l'eau, là. Ouais. Parce que c'est que je connais une Steve qui te connaît. Elle m'a dit, oh, il m'a donné un round de l'enfer. Qu'est-ce que t'as fait? Le temps de jujube, gang. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Hollywood? Ben, il m'a fait deux jambes autour du cou, il s'est laissé tomber. Je l'ai senti jusque dans la gorge. J'avais une pomme d'Adam. J'ai fait un barbecue l'année dernière, OK? Let's à la go. Fin de l'été, je fais un barbecue okay. Avec mon organisme, une affaire pour Simon, tout bas. Non, non. Crowd, il passe avec sa femme, son Simon. Ah ouais. Il vient. Bel petit moment. À un moment donné, on a dit, OK, ben yo, crowd, comme si, yo, va voir Smiley, comme si, prends le micro, deux, trois... Yo, on n'aurait jamais dû faire ça. Non, cash. On a donné un micro cash. À Crowd. OK, ouais. Mais... Yo, bro, ouais. La ville, elle est quasiment shut down la place, bro. Ouais, yo, ouais, j'ai fait l'album de Jay-Z, l'album de Drake. Yo, est amoureux à on l'entend jusqu'à Saint-Michel. Crowd, the one and only, c'est fou. Hey, bon, on va rentrer dans tout ça, Crowd, parce que... Ouais. C'est sûr, t'as pas été comme ça toute ta vie. Ben ouais, man. Crowd, c'est... Non, c'est yo, job, man. What you see, what you get. Yo, bon, là... check, vite fait l'histoire, là... Mes parents, c'est des rois puis des reines. Puis j'étais tanné de vivre. J'avais comme 50 Lamborghini. Je vivais la vie, 50 femmes dans des îles que personne ne connaît. Puis j'étais tanné de vivre cette vie-là. Je voulais vivre la vie normale comme tout le monde. Aller au Gouzo, être pogné... Un peu comme Coming to America, genre. Ouais, genre, Coming to America type of shit. Être pogné sa 40 dans le trafic. Tu comprends comme ça? Tout, bah, c'était nice. Oh, pas grave, prenez votre temps. Bro, genre, fois, juste Avio, tu sais. Des fois, je l'appelle Hakim juste parce que, tu sais, ouais, on comprend okay, la joke. OK, guys, on va passer à notre premier segment. Gardzilac. Kounia. Ça n'a bré! Bon qu'est-ce Dieu, qu'on quoi? Boit? Crowd a découvert ton segment, bro. Yo, lui, il est là, il boit tout. Il a des alcooliques, ça n'a pas. Boit. Yo, Crowd va partir de la même manière que je suis parti de son podcast. C'est presque impossible. Bon, guys, on va frapper une vodka qui vient de Magog. Oh, shit! Okay. Hey, chante à ma grand-mère. Yo, big shout-out tout le monde en région. You know what I mean? Big love. Subscribe. Qui vient de Magog? Mike Schaap. Big shout-out Mike Schaap, yeah. OK. Bien sûr. Oh, c'est un gars de Magog. Shout out to Annie. Ouais, c'est un gars de Magog, man. Yeah. Je connais personne. Okay. Ben, Montréal, Magog. Là, yeah, t'as déjà chaud? T'as déjà chaud? Dans chargé. Rap, yo, 100%, hey, merci à personne qui me swag. Believe the mind is the limit. Oh, oh. BLV Trilogie, Instagram. Checkez ça sur Facebook. OK. Merci, the number. Let's go. OK, ils t'ont habillé la tête aux pieds. La tête aux pieds? Tête aux pieds, even the socks. Mais faut qu'ils envoient un chèque ici parce que... Yo, tu comprends? Moi, j'aime le chandail de Crowd. Ben oui, Crowd peut parler de son chandail. Ah non, you cannot. C'est ma compagnie. Je voulais juste que le monde, parce que tu sais, le monde, s'ils savent c'est à moi, des fois, ils aident. Ben non, tu dois dire que c'est à toi, mon cher. Yeah, for sure. MJ, shout out MJ. Big shout out Prolific, man. OK, c'est quoi les jeux de got me right now. Cela, on boit un... Ça s'appelle Cherry River. C'est un assemblage d'alcool, de maïs et d'eau de source. Malade. OK. On va pop la cherry à soir. Oh my God. Yo, j'ai dit Crowd. Let the cherry pop. Son bass mode est activé du début jusqu'à la fin. Non, mais là, on va voir si t'es sous ça. Yo. Okay. Non, mais lui, c'est trop de basse, trop à gauche. Moi, mon à droite, but, c'est d'arriver à coller des alcooliques puis péter les roses dans le sens de boire plus que, tu comprends? Oh, t'as déjà gagné, bro! It's the takeover! C'est ça. T'as déjà gagné, moi, là, bro. Moi, je suis le pire. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu sais déjà. Yo, oh, qu'est-ce qui se passe avec toi, Crowd? Tu vas pas finir l'épisode, non? C'est pas une compétition, là. Moi, je suis un des roses connus des alcooliques qui ne boit pas pendant tout le show. Moi non plus, je bois pas, mais à part aujourd'hui, c'est spécial. So, cheers, guys. Cheers. Salut. Merci pour l'invitation. Oh, non. Ouf. Je vois déjà, ça va être un show décontrôlé, John D.
Ça va être un show décontrôlé. Yeah, oubliez nos Limits Records, c'est des Baba Records aujourd'hui. Yo. Oh merde! Jay, combien tu donnes sur 10? 8. Crowd. Ok, faut donner des notes. Oui! Yeah. Commence pas à donner des basses, donne la note. On va donner 2 points juste parce qu'on vient de Magog en partant. Fait qu'on est déjà rendu à 2. Ok. Il va monter. Plus 5, mettons. Moi, je donnerais un 7. Okay. Ta fille hardcore, là. Tu vois que c'est pas premium. Ça se peut-tu que je me trompe? Non. C'est pas comme premium, mais c'est bon. C'est... Ça, c'est, mettons, après une grosse bouteille là, qui vaut cher, un NS... pas cher, mais je veux dire, tu sais, un petit NSI, un genre de C-Rock, quelque chose comme qui passe déjà. Si tu coupures, si tu te blesses, you can use that non, too. Mais après, Je voulais donner du love à cause ça venait de Magog, mais on supporte toutes les compagnies locales. Allez supporter toutes les compagnies locales, you know what I mean? Tu te fais percer une épaule, t'as besoin de désinfecter, t'en mets un peu. C'est ça, you know what I mean? C'est multi-use. Je donne 7.5. Sauf que ben pété, il reste plus rien. Ça passe comme de l'eau de source, là. Tu sais, quand t'es smash, tu bois, puis ça coûte sur le bord, puis c'est comme de l'eau. Non, je sais pas, Crowd. Non, moi non plus, je sais pas, Crowd. Je sais pas. Ça, c'est toi, Crowd. Vous avez jamais été pété de même? Non. Moi, je donne 7.5, toi. Moi, je donne un 6.5. C'est pas vraiment... 6.5, 7.5, 7, 8. C'est pas un des best. C'est pas un des best. No cap. C'est pas peu. All right. Let's go! Maintenant, on passe au prochain segment. Mais avant qu'on passe à ce segment-là, je veux juste rappeler à tout le monde que cet épisode est commandité par l'atelier Duo de Chef. Top restaurant dans le Montréal. You already know the vibe. Qu'est-ce que tu as besoin? Ils l'ont sûrement. Poutine griot. Yes. Mac and cheese griot. Mac and cheese. Mac and cheese homard. They got it all. Crevettes griot. Donc, duo si de vous chef. Voulez passer au Duo de Chef, l'adresse, mesdames et messieurs. I'm trying to get some, man. On est au 12545 avenue Fernand Gauthier. Let's go. Pour ceux qui veulent savoir plus précisément, dans l'RDP. There you go. Let's go. So, notre prochain segment, 50 Shame of Gris, guys. Woo! Yes, sir. Donc, chacun votre tour, vous avez une minute pour nous raconter une des fois que vous avez été le plus fini main. Des babas. Wasted. Fucked up. Smash. Lego. Une minute seulement. Une minute. Crowd. Okay. Crowd, lui. Attends. On va commencer par... Moi, je n'ai pas vraiment d'histoire, je suis twisted aussi. Because even when I'm twisted, j'essaie de contrôler un peu le vibe. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas de... Non, il y a plein d'histoires, il veut juste pas parler. C'est ça, on dirait que tu restais PG-13. Chez eux, il y a une chambre spéciale avec des balançoires, des affaires, les filles, toutes rouges et noires. Justement, un peu comme le setup, les arrachent. You can all follow me at J7 Official. I'm just saying. All right. Jay, donne-nous une petite histoire. C'est sûr, t'as déjà été sous, là. Ben oui, c'est sûr, là, sous, mais comme... Romania avec David, là, Bucarest, par la voiture. Ouais, c'est comme on a eu des vibes de fou en Roumanie où est-ce qu'on était pété. On finit au chicken staff, il casse la vitre. C'était toutes sortes d'histoires. Qui? Il casse lui? Ouais. J'étais sous. Parce que j'étais où mon pita, puis la vitre a explosé, man. Ah, Roumanie. Tu sais, mais comme. Il y a d'autres histoires, c'est comme avec des. Tu sais, it's like, it involves women and stuff. Mais c'est ça, donne-nous un. C'est back in the days, c'est back in the days. Oui. Là, t'es aux chroniques des alcooliques. On n'a pas back down, vous pouvez pas back down. Ouais, t'as pas le droit de back down. C'est pas un back down, c'est juste, tu sais, c'était des classic turn-up stories, man, qui finissent in the bedroom for, you know, long sessions and, you know, everybody ends up happy, you know what I'm saying? Bon, on dirait que. C'est un peu ça, les vibes. On dirait que c'est Crowd qui va prendre. C'est Crowd qui a les wild stories. Oh, Crowd. Big Lon John. Yo, j'ai un story. Big Lon John. Gang shit. OK. Yo, ça commence à rentrer. OK, yo. Crowd, let's go. Donne-nous une de tes top stories. Là, lui, non, il est rouge. C'est comme le divan. Bon, attends une minute. Une affaire fuckée, là. J'étais jeune, puis... Attends, je t'ai rendu. Pas quand t'étais en dessous du lavabo, Crowd. Pas cette histoire-là, bro. Ça, on garde ça pour le Patreon. OK. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment jeune. Je pense que c'est la première fois que j'ai commencé à boire. On est arrivé, tu sais, quand on rentre 25 dans un magasin, là, puis on prend tout ce qu'on peut, puis on sort, puis on court. Bum rush. Ouais, on a fait un bum rush dans le dépanneur. J'avais mis mes pantalons d'un bas, sous-marin, de l'alcool. Dans le temps, c'était quoi? Des B40, des Bull Max, des affaires de même. Là, je rapporte ça. Oh shit! Je la regarde, bro, comme ça. Comme si un trophée, là, comme si c'est un genre de Casamigos ou quelque chose. OK, c'est une quille! C'est un peu spécial. Bro, je l'ouvre, je le cale. Là, tout est bon. Yo, moi, je t'ai vu, j'ai bu de l'alcool. Là, je suis fort, c'est ma première bouteille, ça se passe.
45 minutes, bro, ça commence à rentrer. Oh shit. Là, je m'en vais dans un lit, puis je suis couché, puis j'ai l'impression qu'à la minute que je respire ou que je bouge, là, je vais vomir ou il y a de quoi qui se passe. La bise, elle descend. OK, c'est fini le party, là. C'est le temps de sortir, les jeunes. Il met la flashlight d'en face. Je me souviens juste d'entendre, genre, un autre jeune qui sait pas boire. Quelqu'un me levé, j'ai vomi à terre. Fait que je me rappelle juste des petits glimpses. Ouais. On a passé par le métro Saint-Michel, Iberville, marché jusqu'au métro Jean-Talon. Je me souviens juste d'ouvrir mes yeux, puis quelqu'un me traînait. Fait que c'est à peu près ça, man. Yo, G, pour de vrai, là. C'est exactement mais ça que c'est. C'est quoi ces histoires de fucking man, là? Non, mais ça, c'est une histoire à Ziz, okay? Non, ça, j'étais smart. En plus, je me suis réveillé chez une femme, elle était pas là. Puis quand je suis venu pour sortir, elle est rentrée. J'avais la guéguette collée dans le poil parce qu'à 16 ans, tu connais pas te raser, tu veux pas être fraîche, tu comprends? Oh my God. Ça fait 4 ans que tu as découvert ton pénis. En tout cas, c'est des histoires comme ça. C'est peut-être pas la plus fucked up, là, mais la plus fucked up, je vais la dire dans le papier. Yo, les gars, vous êtes pas sur notre wall of fame. Mais attends, non, mais gars, vous êtes pas. Attends une minute, t'avais la guéguette collée où? Dans c'est le, ça, dans le poil? Ouais, dans le poil. What, quel poil? Poil next poil, object, tu... next object. Ça n'a pas de yo, je comprends pas. Il y a l'air intéressant. Non, mais yo, les expressions, on comprend pas ces expressions-là, c'est pour ça. Okay. Non, cherche. Dans le poêle, ouais. Comme le, genre la cuisinière? Non, pas dans le poêle. Dans le poêle. Oh, dans le poêle! Oh, dans le poêle! OK. La façon que t'as dit le baril, je t'ai juste parlé du baril. C'est quoi? Peut-être qu'il a mis son coq sur le baril. Yo! Et puis, yo, il a allumé. Comme le baril Apple Pie, là. De, oui, moi, j'avais compris. American Pie. Non, mais pour vrai, il y en a plein. Là. Un moment donné, j'étais dans l'affaire qu'on monte, là, dans funiculaire, là, genre dans le stade olympique. Ouais. Puis mon partner, il run le shit comme ça. Ah ouais, on monte, on descend, on monte. Yo, bro, je calais des choses. En tout cas, il y en a plein. Il y en a avec Jay qu'on peut pas faire. J'ai fait le tour du monde avec Jay. Chante à tout le monde du Sénégal, en Roumanie, Liban, comme, sous le bord de la mer pété. J'en ai des millions d'histoires. Là, comme... Ça, c'est garanti. Yo, bro, moi, c'est ça. Deux épisodes chroniques des alcooliques. Moi, je sais que t'es sous love parce que, yo, on m'a parlé du love back then, là. Ah oui. Get, mais quel love? Un, deux, trois. Dans les premiers, dans la chaleur de Sans Pression back then. Oh shit, Masson Iberville. Exactement. Ah yo, tu connais ce love-là? T'as trié ton story, mon cher. Arrête. Non, mais c'est quoi? On dirait, c'est quoi? Tu veux que je te dise des choses sexuelles ou des choses. Yo, toi, on veut le biggest story. Yo, merci à Believe, man, pour la fucking ça. Yo, je commence à faire chaud. Big shout out les sponsors. Big love tout le monde qui regarde. On dirait, si je te dis une histoire comme yo, c'était malade dans l'offre, on a eu du fun. J'étais sous, me suis réveillé le matin. Oh yo. Shit, c'est un lady boy. L'épisode vient de commencer. Le banan a déjà chaud. Ben, fou. Le banan a déjà chaud, mon cher. Les trois bouteilles à côté de lui, ils ont calé, mon cher. Tabarnak. Moi, je veux juste battre le record du gars qui a bu le plus. Let's go! Yo, guys, c'est ça. Le droit qu'elle est là, la bouteille. Yo, ah ouais? Ouais. Non, parce yo, que ça, fais-nous là, l'honneur. Mais quand je bois ça, moi, je viens fucked up. Ça se peut, je sorte et je te dis, hey, je te passe dessus, là. T'auras jamais vécu ça, tabarnak. Attends, à moi, tu vas dire non, ça? Non, non, mais je me réveille le lendemain. Wow, qu'est-ce que j'ai dit, là? Yo, Hollywood, reprends le contrôle, Hollywood. Yo, pour le vrai, là-dessus, c'est que si t'es un peu connu, ça peut dégénérer. Tandis que si t'es un Marc-André ou un Luckner, tu vas être bon. Luckner, il a dit. Yo! Non, mais là, c'est moitié, moi, il a dit. Yo, comment ça se passe dans ta tête? Wow. Crowd, c'est sûr, t'es un monde yo, fou. Ça, c'est mon surnom, Saint-Joseph, Dieu donné. You already know what it is, man. Yo, ben, bagarre, nous pas garé. Laguer ou déposer, compas, t'inquiète. Après 40, c'est déposé. 100%. Yo, OK. Merci beaucoup, Crowd, parce que yo, tes bases vont tout partout, bro. J'ai jamais vu ça. Yo, Crowd, c'est un tueur. The one and only. Tueur, là, the one and only. Écoute, si j'ai du love pour vous autres, les gars... Relax. On va le laisser bon comme ça. Attends, on va attaquer J7. Tout le monde en studio, longue vie, sérieusement. On ne sait pas quand on peut partir. God bless your family. Big love à tout le monde, man. Big love à tout le monde. Respect, respect. Québec, venez ensemble, toutes les couleurs. Big mirrors, what it do. On chill avec les extraterrestres, gangway. Mais yo, crowd, yo, G. C'est les chroniques des alcooliques, mais faut que tu penses à ton foie, mon gars. Oh, tu sais quoi? J'ai la foi, c'est ça le pire. Oh, gueule. Hey, joyeuse Pâques à tout le monde. Qui célèbre. Yo, let's go! On va être obligé de ramasser Crowd à la petite cuillère. Malionnette! Est-ce que c'est la première émission que vous entendez tout le monde en arrière, genre, oh, shit, for real, oh. Non, on a eu du drama, Toby. On a eu du drama. On a eu le oh. Ouais, c'est vrai. Yo, vous riez de moi, quoi? Mais moi, je m'en fuck ça. Yo, relax. Non, relax. Non, calme.
Yo, attends, ça, t'as 10, Jim. Oh, yeah. Okay, OK, Greg, Yo, il l'a tué. Il l'a tué. Il l'a tué. Oh, shit. OK, ce gars-là. Yo, OK, man, tu DM plus, man. Oh. Ouais, DM-moi plus. Bon. Oh, shit. Passons au juice de l'épisode. No guests. Là, vous êtes dans le hot seat, monsieur. Maintenant, on n'est plus au temps d'un jujube. C'est chronique des alcooliques. So, Jay, je vois que t'es assis, relax. Ouais, man, I'm tu regardes comment Claude est en train de dérailler. Yeah, pas de stress. Mais on va commencer avec toi. Comme, je sais que beaucoup de monde, dans nos fans, savent pas c'est qui J7. Yo. Quand j'ai parlé de toi, on est comme, yo, c'est qui ce partenaire-là? Mais je pense aussi que c'est le old school versus the new school. Toi, t'es un gars old school, on le sait déjà. Moi, je sais déjà. Old school type of dude. I mean, I say original, you know. Original, mais oui, mais yo. I say classic. OK, OK, you know OK. Mais là, c'est ça. Mais yo, je fuck avec le new school, là. Non, non. Moi, je fuck avec tout le pas new school. T'es pas un hater. Ben non, come on, man. Catch me at people every weekend, bro. I'm with the youth, man. Je suis là dans les clubs tous les weekends. Ils me voient, bro. OK, fait des OK. Fait que pour les gens qui savent pas, I mean, shit, ça a tout commencé avec le hip-hop, of course. Je faisais de la musique. Je fais encore de la musique pour le fun, mais comme je faisais de la musique sérieusement, ça a commencé comme ça. C'est devenu MC dans les clubs, MC avec des boys comme DJ Crowd, mes boys. OK. Puis c'est devenu des podcasts, c'est devenu tout ce qui est rapport avec la scène hip-hop ici. So, ça fait longtemps qu'on est là, bro. T'es dans la scène hip-hop depuis combien de temps? Shit, man, les débuts des années 2000, bro. Oh, shit, oh, shit, OK, OK, OK. Hollywood, il était produit par Clean Cut. Jure! Big shout-out DJ Clean Cut, of course. Yo, ça, c'est ceux qui écoutent, là, qui savent. OK, mais t'es un vrai original, là. Et ceux qui savent pas, j'étais avec Clean Cut cette année à Metro 2023, you know what I'm saying, on stage, on the main stage, je viens nous checker là-bas. OK, ouais, OK, OK. Do your thing. Jack Harlow, Lil Baby, Lil Wayne va être là. Ouais, j'ai vu le line-up. Je travaille encore avec Clean Cut occasionnellement de temps en temps, mais ouais, quand ça vient à la musique, il produisait pour moi. Fait que tu dirais que le hip-hop, c'est ton first love? Of course, ben ouais, ça a tout commencé avec ça. Il a gagné... Hip-hop Forever, back in the Hip-hop Forever, man, MC of the Year. J'ai travaillé avec plein d'artistes. Ça, c'est vrai, j'avais vu ça. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes dans la ville. Puis maintenant, je trouve ça dope de... En faisant les podcasts, checker le podcast sur 11MTL, checker le temps d'un jujube, of course, avec DJ Crowd. On peut promouvoir la scène puis continuer à, you know what I mean, on continue à mettre de l'eau dans la plante qu'on a plantée fucking 20 years ago, you know? Puis c'était là avant nous, of course. Là, est-ce que tu aimes ce que tu vois présentement du hip-hop à Montréal? Ouais. Ouais, of course. Mais l'affaire, c'est que c'est tough. Moi, je suis biased. Moi, je suis un pro Montreal guy. Fait que je vais toujours aimer ce que je vois. Okay. Mais tu sais, des fois, je trouve que, comme ces temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de big dogs qui ont fait leur nom dans la ville. Puis on dirait quand ils font leur nom dans la ville, ils prennent un break. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Je pense que la ville, c'est juste step one amongst beaucoup d'étapes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il faut continuer à push. Comme un gars comme Enima, il a jamais arrêté. Il a jamais enlevé son pied sur le gaz. Tu comprends? Il drop des singles, il arrête pas, Puis je pense que c'est ça qui l'a mis en top. J'aimerais voir tout le monde pas arrêter, you know what I mean? Je comprends un peu ce que tu dis parce que je trouve que, c'est quoi à dire, je suis un fan, moi. Je suis un fan de Tizo. 100%. Puis je trouve que Tizo aussi, on dirait que j'entends pas assez de musique. Ouais, mais je pense que lui, c'est il a comme step away exprès pour laisser un peu le temps de Shreeze, je pense. Ah, yo, arrête, là. C'est ça que les gens disent. C'est parce ça que la manière que Shreeze est à monter, le gars est juste less talented. He wasn't a rapper. Oh, if you compare Shreeze et Tizo, moi, personnellement, je préfère écouter Shreeze. J'écoute plus Shreeze, tu comprends? Mais dans le juice que Tizo y avait là, quand il a sorti, bro, c'est vraiment son buzz qui a créé tout ça. Là. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tizo, là, yo, même yo, les scouts chantaient ces beats. Là. Moi, ce que je pense, c'est que... Je pense pas que c'est totalement vas-y, quoi. Mais tu sais quoi, les buzz sont différents pour les personnes de la scène versus les fans. Facts. Exemple, j'étais avec Tizo, je marche aux Galeries d'Anjou, quelqu'un nous voit... Vite fait, l'électricité dans leur tête. Oh shit, César, ça pue. On fouette. Oh yeah. Crowd, Major Way, tant de. Les jeunes. Mais l'ère qu'on a maintenant avec l'Internet puis tout, c'est plus comme dans le temps que le monde, ils s'en rappellent forever, comme des Whitney Houston, comme des Michael. Maintenant, il faut tout le temps te soigner dans leur face parce qu'après un mois, deux mois, ils vont pas t'oublier, mais ils vont peut-être te mettre de côté. Ouais, ouais, okay, OK, moi là, okay, je le dis encore, j'aime ton chandail, je l'adore. Ouais, ouais. Mais juste pour dire... Ah, le prolifique. Big shout out prolifique. J'avais une grosse conversation avec mon boy Ratchy, justement. Of course. On était en train de brainstorm. C'est le jacket?
On est en train de brainstorm justement sur what's timeless or not. J'aime ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que maintenant, la musique n'est pas timeless, ouais. Mais elle n'est pas timeless à cause de la technologie où les gars ne créent plus de musique timeless. Je pense que c'est la technologie. C'est pareil comme d'un coup. C'est les deux. Ouais, peut-être les deux. Yeah. C'est parce que la technologie, il y a tellement d'affaires qui sortent. Fait que les gars, il faut qu'ils suivent, bro. Les gars, il faut qu'ils suivent le rythme. Fait que dans le fond, ils mettent pas autant de temps sur leur tech, sur leur site, parce que you gotta keep it up, bro, and keep music going out, man. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais il y a encore des gars qui prennent leur temps, qui sortent des projets de qualité, qui vont pas sortir de la musique à chaque semaine, que, you know what I mean, qui vont être timeless. Mais ça, je pense que c'est un choix artistique plus que d'autres ouais, choses. Ouais, mais OK, qu'est-ce que t'as à dire, mettons, de quelqu'un qui va mettre 100 000 dans une vidéo, puis qui va avoir 100 000 views, puis un gars qui va se filmer avec son iPhone, qui va avoir 2 millions de views. Mais je trouve pas qu'on est dans l'era de mettre 100 000 sur une vidéo, bro. Non. Je trouve qu'on est sur un era de yo, go viral sur les réseaux, puis après ça sort un clip. Yeah, 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 yeah. Mettre, mettre, prends ces 100 000 là, puis utilise-les pour montrer tes produits. Mettons quelqu'un qui prend une vidéo d'Iceland, là, comme qu'il a fait pour Soulja. Ouais, mais ça, c'est cool pour des gars établis. Ouais. Un gars comme Soulja, un gars comme Manu, qui a des années dans la game, qui dit yo, je veux faire un film. Là, c'est quand il a décidé de faire son clip, il veut faire un film. C'est un statement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais un nouveau gars, je dirais pas, mets tout ton argent sur les vidéos. Ça, c'était back in the days. Là, c'est plus ça. Là, c'est réseaux sociaux. Drake? Non, c'est Drake. C'est le buzz. C'est comme tu as dit, Tizo, c'est le buzz que tu crées. Puis c'est pour ça que moi, je pense, Tizo n'est pas un rappeur. Tu comprends? C'est un gars qui a été capable de faire un buzz pendant un temps, qui a capitulé, on va dire, sur ce buzz-là. Yeah, but here's the thing. Tu as vu, j'ai hosté le show de Shreezy. Yo, je host beaucoup de concerts et tout. Si quelqu'un cherche un host, I mean, holla at me, the host with the most. Shout out, Joe. Okay. Let's go. Je faisais le show de Shreezy. Les gars, pluguent tout. Everything, bro, everything. Let's go. So, everything's for sale. I'm a walking plug. Whatever you need to, holla at me. You know what I'm saying? Big Jeezy in the building. That's anyway, a new single. Go check that shit on YouTube. On va pas rentrer dans walking tout plug. Ça. Mais, exemple, quand je hostais le show de Shreezy, Tizo, il est sorti, il a fait des tracks avec lui. Puis, bro, tu vois que le hype de Tizo, il est encore là. Ouais. Quand il sort, puis ça, c'est stage, sûr, bro. Le monde, ils sont hype, le monde, ils sont contents de le voir. Là, après, il faut juste que ça connecte avec des tracks, puis c'est ça, là. Puis souvent, c'est, comme je te disais tantôt, c'est les gars qui sont dans l'industrie, qui sont là, ils ont tout le temps un... Je trouve que Montréal, des fois, c'est sûr dans leur bouche. C'est comme... Bro, give them flowers, man. Mais on est une ville de haters. Yo, we gotta treat these guys like they're... Yo, mais oui, tu sais quoi, ouais, c'est exactement ça, mais pas nécessairement hater, mais on sera jamais Hollywood. Exemple, back in the day, j'arrive dans un club avec Éric Lapointe, les gars, ils ont aucune idée c'est quoi la musique québécoise, c'est comme, crowd, toi, tu peux rentrer, mais le gars rocker, là, il peut pas. Je suis comme, hein? J'arrive avec Rick Ross dans ses débuts au circus. Ouais. On est une vingtaine, des limousines, tout, il veut donner 400 CD DVD. Le boss, il est comme... Hey, crowd, là, on va laisser une coupe de gratuit, ouais, mais... Ouais, on peut en laisser 10 gars, mais 20 gars. C'est comme, yo, I got Rick Ross with the whole Maybach Rose music, là. Il vient juste de sortir son album, il commence à... Oh, ça commence à pogner, là. Mais Montréal mais ça, c'est Montréal. Puis je trouve que, justement, t'as vu quand ça vient aux rappers d'ici, je trouve qu'on devrait leur donner plus de ce traitement-là de star. Un gold book. Moi, un Shreeze, quand il arrive dans un club à Montréal, les gens devraient dire « Oh shit, c'est Shreeze ». Ça, je suis d'accord. Et j'ai une question pour justement, pour Crowd, parce que en tant que DJ, là, est-ce que tu trouves pas que les rappers, justement, à Montréal, se font comme... Les DJ ne poussent pas leur beat? Ouais, mais OK, oui, ça, oui, je pourrais dire oui, mais il y a un lack de business, là. Il y a plein de rappers, mais il n'y a personne en arrière d'eux. Bro, check. Ah, tu ne joues pas mon beat, mais où est-ce que c'est où est-ce que j'ai ton beat? On m'a envoyé un beat. Parce que si je compare ça aux States. OK, les gars, on ne voit pas les beats comme ça. T'entends, on le donnait en vinyle, en CD. Ouais. J'ai-tu un email? J'ai-tu ton. Moi, c'est différent. Moi, je suis proche de tous les rappers, tu comprends? LBR Mob Shop, mon brother K-Benz. What up, what up? En plus, je suis DJ pour pas mal de. Yo, shoot, t'as LBR sur toi! Yo, bro, yo, we made this shit happen, man. Come on, man. Hey, man, world famous DJ Crowd. Anjou, Neville, they don't know about that, K. We world famous, bro, world famous, major way type. Moi, je MC dans des clubs, fait que je vois beaucoup avec les podcasts, je côtoie les artistes, puis dans les clubs, je côtoie les DJ. Yeah. Puis je trouve qu'il y a un disconnect. Ça fait longtemps que je le dis. Mm-hmm. Puis je trouve que les artistes devraient travailler plus sur connecter avec les DJ. 100%. Comme les DJ, ça va plus les intéresser. Ils devraient payer comme aux States. 100%. Parce que t'as beaucoup d'artistes aux States, là. C'est même pas nécessairement payé. C'est juste, yo, bro, si la tu musique, veux que mais il y a plus de chances que si là, je te rappeur, puis je veux que ma musique se fasse bon. Même si là, je te donne, on va dire, 500$, là, pour que tu pushes mon record. Ouais, là, si ton track, c'est un hit, Gardilac,
il va jouer regardless. T'es pas obligé de payer le monde. Mais au moins, donne la chanson. Moi, je trouve ça, les gars, ils donnent pas. Je veux pas faire un socket. Yo, il va sur YouTube, il download une version pas bonne. Mais non, yo, moi, je te dis, les DJ, les artistes de Montréal, ils vont au DJ booth, puis ils disent, yo, download mon beat, puis joue-les. Live. Le DJ est comme, yo, bro, je veux pas faire ça. Live, il est en train de mixer. Oh, shit, c'est ça. Oh, OK, OK. Moi, j'essaie mon téléphone, dire, yo, send-le par email, puis on va faire de quoi. Oh, shit, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Mais je pense que c'est plus important de build a relationship avec les DJ, bro. 100%. Mais je comprends pas. Comment ça, c'est pas fait? Comment ça, c'est pas mis de l'avant, ça? Je comprends pas. Moi, j'en parle, même checker les podcasts, on en parle tout le temps. Moi, je vais te dire, c'est une question d'argent. On est 8 millions de personnes. Combien de personnes écoutent vraiment du hip-hop? Il y a un lack de money. Tout le monde, souvent, les rappers dans leur entourage. Yeah, là, non, mais là, pour les DJ. C'est le homie management, homie DJ. C'est son cousin. Il n'est même pas DJ, là. Il press play. Ah, oh, OK, nice, nice. Il arrive sur stage, il est cold, là, il est froid. Il peut pas arriver. Bro, you know what it is? We fuck shit up right now. Major way. Hands up now. Put him up now. Oh, shit. Tu le mets dans le Centre Bell, là, il est comme, oh, shit. T'es sûr que t'étais au Beach Club, là, toi, en train de crier ici, mon gars? Calme-toi, non, man! Oh shit, calme-toi! Big shout out Afro crowd. Beach, yeah. Checkez-moi au Beach Club cet été, yeah, man. Yeah, Afro Beach, club. Number yo, one party. Yo, au Beach Club, every summer, you dig. Osbahali. Yo, en tout cas, j'espère que tu vas me checker quand tu vas y aller, mon cher. Yo, moi, tu me check quand tu veux. You already know what it is, man. Je te fais découvrir le monde entier, viande la viande, gang. Oh. Yeah! Pause. Il a dit le monde entier, viande. Mesdames et messieurs. Pause. Yo, abassa, on a été de plein d'affaires, mais Crowd a jamais dit comment Crowd a été créé. Non, mais on est arrivé à Crowd, mon cher. Là, maintenant. T'as vu comment Terminator a été créé, comme les éclairs, là. C'est ça que DJ Crowd. On dirait qu'il est venu comme si. Yep. Mais j'ai sur les gens. Couple de podcasts. Mon père était DJ, puis l'histoire préférée. Ah, arrête, ouais, ça, c'est bon. Ton père était DJ pour nous, cher. Il était DJ, puis il mixait dans des gros clubs, tout. Il went from like selling coke to doing coke to cooking crack to taking crack. Là, des fois, il y avait les pocheurs qui venaient cogner à la maison. L'histoire préférée à J7. On ne peut pas rire de ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est drôle. C'est vrai. Regarde, my own family right now, I'm good, don't worry. On cache en dessous du lavabo. Puis, tu sais, le peach rap en métal. Je me cognais la tête dessus. But yo, it's all up, man. Six-figure wigger in the building, man. No cap. Yo, je te jure, l'histoire du lavabo, c'est real. Là. Il m'en a parlé beaucoup de fois, vrai, mais des fois, vrai. Je comprends pas. Attends, c'est correct. Quoi l'histoire du lavabo? J'ai pas compris. Bro, écoute, dans la vie, là, malheureusement, là, les hommes, peut-être moins maintenant, mais dans le temps, ils ont de la misère avec les enfants. Combien de gars vous connaissez qui ont lagué des bébés à gauche, à droite? Ils sont là, puis... Personne. OK. Ah ouais? Ouais? Ben, Chris, moi, commence à me chiller avec ton cercle d'amis. Parce ton cercle, ça va non, mal. Non, mais je viens pas du même. Mais moi, je suis DJ. Ouais. Des fois, je sors dehors. Tu sais comment que les gars sont greasy. Ils parlent, là. Yo, ça, c'est ma bitch. Elle est bonne pour faire la vaisselle. Je m'en fous, totot. Mais je pense pas que ça devrait être comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je m'en fous. Moi, tous les gars dans ma vie, quand j'étais jeune, m'ont déçu. C'est tout le temps des femmes qui m'ont élevé. J'ai eu mes sœurs, toutes. Ah, okay. Même mes sœurs me disaient, je peux-tu truster un gars? Je disais, yo, c'est tous des trous de cul. Choisis le meilleur trou de cul. Tu comprends? Ouais, choisis le meilleur caca. Ladies, I'm the best in the fucking world. Big shout out to all the ladies. Normal! Tu sais, comme même maintenant, je trouve que dans notre temps, ben, on n'est pas si vieux que ça. Là. Je viens de frapper 25, 26. Moi, j'ai 25. C'est ça. Yeah, yeah. Mais tu sais, dans le temps, on arrivait cute avec un petit Boys to Men ou même Michael Jackson. You're not alone. Tu comprends? Maintenant, c'est comme, oh, yo, Shawty, yo, t'es sous ça? Envoie ton snap. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien. Non, les gars, ça ne fait pas tort. Les gars, le top game des gars est à zéro. Tu peux pogner quelque chose avec tout ça, mais tu vas pogner des bébites. You feel me? Moi, j'arrivais avec les bars. C'est pour ça que tu n'as pas dit Vienne, non, Vienne. Non, ça c'est moi puis le buffet à volonté, man. I'm trying to lose weight right now. Tu sais, quand tu vas chercher le petit bœuf avec la sauce au poivre, la sauce brune, ça c'est viande en viande féminine. Les gars sont comme, j'ai jamais fait de viande en viande, mais ils embrassent les femmes comme... Arrête, là. Moi, comment qu'ils font? Et Hollywood, langop! Langui! Hollywood, il me... Langui. Why take it from the front normal. If I can take it from the back? Langui King! Tu peux m'appeler le Langui King. Hollywood. There we go. There we go. Ah ouais. Il me l'a ah dit l'autre fois, les anus, ça n'a pas de secret pour moi. Hollywood shit. Ah ouais, Hollywood, c'est comme ça. Comme ça, tu mets mes business dehors. Non, c'est vrai, Hollywood, il a dit qu'il plongeait. Non, c'est lui qui plonge. T'es un plongeur, head first, t'as dit. Arrête de niaiser, là. Alexandre, là. Comme ça, Despati. Qui a dit Alexandre Despati? Ça va être clair. Okay, ouais. Je sais pas yo, si on qui a les deux. Flippe le sujet là. Ouais. La femme à Squirt, c'est qui a dit ça? Moi, je plonge. C'était qui déjà? Ouais, c'est moi. Ah, c'est petite cochon. J'ai demandé comment Crowd a été créé. Tu m'as jamais dit? Non, Crowd, t'es trop déboussolé. J'ai été créé comme tout le monde ici là.
viande la viande, pao boss, trompe de fallop, dans l'œuf, bing 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 comme un pinball. Ce gars-là, that's it. Excuse-moi, j'ai posé la mauvaise question. Comment, j'étais déjà tout big avant comment que je DJ Crowd a été créé. Oh, DJ Crowd. Ouais. Mon père était DJ, je voyais des tapes tournantes. Vite fait, là, je voyais des tapes tournantes, je voyais des vinyles, ça m'a tout le temps intrigué. Tourne pas au lavabo, s'il vous plaît. 12 ans, ma grand-mère m'a donné une vieille tape tournante avec un bras qui bloquait, puis avec des cassettes 4 tracks, il y avait des tapes, là, je commençais là-dedans. J'avais fait une danse d'école avec des cassettes. T'imagines comment ça peut pas être tight? Tu payes play, tu payes stop, tu payes play. J'enregistrais des raps d'un tape à l'autre tape avec les micros, en tout cas, whatever. Puis c'est ça, de fil en aiguille, je suis là, mon premier nom de DJ, c'est Spike. Je trouvais que c'était un peu piquant, c'était trop pointu, tu comprends? Donc, après, j'ai changé, j'ai dit « I want everybody to know my name ». Là, j'ai dit « DJ Max ». Là, je dis « Oh, OK ». Là, je me préparais déjà pour les réseaux sociaux. « Yo, government name, people go put my shit out there ». Là, c'est comme... Là, après ça, j'écoutais un vinyle de Eric B. puis Rakim. Because I came to move the crowd. OK! Move the crowd. Là, j'étais comme crowd. Fuck Master Flex, DJ Capri, Cash Money, DJ Crowd. Ça fit, let's go. J'ai ride avec. DJ Capri? J'ai ride. Kid Capri. Kid Capri. Let's go. Ça fit. Oh, yo, j'ai mixé avec tous ces gars-là. C'est ça qui est fucked up à New York avec Cash Money. Oh, ouais. J'étais dans le bus avec Kid Capri dans le temps au Sona. Kid Capri? On a booké Funk Flex à Montréal. J'étais mixé avec. Comme tous ces gars-là, c'est. Parce que, tu sais, la nouvelle génération oublie, puis j'oublie tout le temps. Il y a beaucoup d'affaires qui sont faites, bro, sérieusement. J'oublie tout le temps de vendre ma salade, mais bro, I did so much, là, comme... Yo, je savais même pas ça. Top dog! Pour toi, crowd. Yo, for j'ai real, fait comme... beaucoup. Bro, j'étais DJ pour Rec One, Wu-Tang, pendant 4 ans. J'ai fait le tour du Canada, French ça, Montana, mm-hmm. comme plein... Yo, j'en ai fait beaucoup. J'en oublie, je sais. Black Eyed Peas, Fergie... I already know what it is. We got some story together. Big shout out, Fergie. I'm we saying. Miss you. Shoot, t'as caressé le boudin, Fergie. Allez checker ma photo sur Instagram. Follow me on IG. Your boy DJ Crowd, the there world you famous. You already know. Major ah, non, bro, fucking beaucoup, way. T'as caressé that hump? That hump. OK. Avant, il y avait un groupe avec deux autres filles. Wild Orchid. Wild Orchid. OK. C'était pas le mortalité. Motel idéal, la jeunesse. Shout to you. 4 heures, no credit. Yo, bro. Non, mais guys, il y a beaucoup... C'est classique, hein? L'affaire, pour de vrai, il faut que vous réalisez, il y a beaucoup d'histoires de hip-hop à Montréal sur ces deux sièges. J'ai fait un mixtape avec Booba, bro. Comme for real. Oh, ouais. Que des numéros 10 dans Martine, tu sais, pas 10 pouces. Non, attends. Alors, toi, c'est 12 pouces, 5 $. Non, mais calculez pas ça, boy. Est-ce que tu trouves pas que la culture rapper, pas versus DJ, mais la culture, au state, admettons, là, les rappers, là, ils ont besoin de leur DJ. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où est-ce que ouais. they're gonna move with the DJs, c'est important, puis il y a une... ça marche avec la culture. Ici, c'est les rappeurs timides. Les rappeurs timides, là, vont dire, yo, j'ai besoin de toi. Parce que moi, je commence le show, là, make some noise, in the MMS, win a bit. Yeah. Oh shit, tabarnak, c'est lit. Mais ici, j'entends jamais les rappeurs shout-out leur DJ comme j'entends les rappeurs non, américains shout-out leur c'est DJ. C'est toute une affaire d'ego, c'est comme yo. On dirait. I want the number one spot ou ça. On dirait les gars chillent plus avec leur producer qu'avec leur DJ. Yeah. Avec un DJ, on dirait ouais. c'est toujours le producer. Moi, je pense que dans cette era de musique, les gars, ils sont tellement focus sur blow-up sur les réseaux puis faire des numbers sur les réseaux qu'ils prennent pas le temps de faire beaucoup de shows. So a lot of them, their first shows are big stages. Tu comprends? Puis nous, back in the days, pas pour comparer, mais comme on faisait plein de shows pour se faire connaître. Fait qu'arriver sur un gros stage, t'as déjà fait 40 shows. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes vont arriver sur un gros stage, puis le DJ, c'est son producer, whatever, parce que il a pas eu le temps de faire plusieurs shows. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui ont des numbers, moi, je pense qu'il y en a qui remplissent pas de salle aussi, là. Oh shit. Okay. Moi, je pense que toutes ces shit-là, là, c'est, il faut que les jeunes ils prennent des notes le plus qu'ils peuvent des gars qui ont eu l'expérience de ça. Puis, you know what I mean? Parce que c'est un different era. Nous, on peut pas, on comprend pas comment eux ils sortent leur musique à comparer à ce qu'on faisait. Mais en même temps, il y a de l'expérience qui est venue dans ce qu'on a fait that they can take notes of. Tu comprends ce que je veux dire? Puis toutes les affaires qui parlent là, de shows and all this, comme moi, je host beaucoup de concerts, right? Puis je host beaucoup de concerts depuis plusieurs années. Puis tout ça. Ça vient des rap shows que j'ai faites. Fait que toutes les rap shows que j'ai faites dans le temps, même qu'il y avait du monde, qu'il n'y a pas de monde, que c'était plein, c'était pas plein, ça nous a donné l'expérience d'arriver maintenant sur un stage, que ce soit métro, que ce soit le Grand Prix du Canada, que ce soit le Beach Club. Il n'y a pas de stress, tu comprends? On va, we know what we're J'ai une question pour toi, Jay. Je sais qu'on. We take over the show. Yo, why are you giving me Yo, ça, je vois, j'ai une question pour Jay. Est-ce que
tu trouves que c'est plus dur sur un stage métro-métro que 20 ou 30 000 personnes ou quand DJ Crowd fait les francopholies avec Corneille devant 50 000 personnes? Oh, checkez moi francopholie cette année aussi. I'm saying for the first time, I gotta say that. Checkez DJ Crowd au métro-métro avec Mike Zub, Guess Me, Gang Shit. Ou que tu fais un show, mettons, au Belmont, qui a 200 personnes. Avec DJ Crowd, mettons. Puis Tony Yayo. Ça dépend, regarde. Attends, c'était toi? Ouais, moi, PJ, Tony Yayo. Tu, you, Nick. Yes, sir. Yes, sir. I mean, fire, j'ai mon moi, je dirais les plus petits clubs. Toi? Regarde, bro, ça dépend. Ça dépend les vibes. Ça dépend les vibes du crowd. Comme exemple, Niska à Québec, incroyable. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Niska, même Montréal, c'était fou. Mais Québec, on dirait, je sais pas, mais c'était spécial. Oui, parce que. La Fouine, récemment, La Fouine Club Soda, incroyable. Big shout out La Fouine. Allez checker mon entrevue avec lui sur 11MTL. Yo, OK. Mais je vais pas mentir parce que moi, tu vois, j'avais été voir Kendrick à Québec. Yes. Kendrick ou Cole? Non, c'est Kendrick que j'ai été voir. Non, mais Kendrick ou Cole? Ton préféré? Personnellement, Kendrick. Moi, j'aime mieux Chris Cross que ces gars-là. Ouais. Oh, t'as vu passer. Oh, yo, garde-la, continue ton affaire. Mais la vérité, j'ai trouvé comme... On, je sais pas si c'est le vibe des Plaines d'Abraham qui font que... Yo, c'était... Ah ouais. Le show était dope, là. Incroyable. Ça, j'étais voir Kendrick aller. Et j'étais voir Kendrick, Wiz puis Wu-Tang à Québec. Wow. OK, festival d'été. Ouais. C'est ça, puis ça c'est légendaire. Incroyable. Là, t'as Valérie. Est-ce que tu gardes du lac? Est-ce que tu gardes du lac? La chronique des alcooliques. Je sais pas de quoi tu parles. Il est différent. Le podcast n'existait pas du tout. Je voudrais utiliser son bâton. OK. Non, c'est la règle. J'ai une question pour vous deux séparément, là. Crowd, dis-moi, c'est quoi le moment qui t'a fait devenir DJ Crowd dans tous tes événements, là, que t'as su que, OK, I made it. Bon, j'ai l'impression que j'aimais pas Made It encore. Arrête de parler shit. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de yo, Wu-Tang City, bye, Ami, au Québec. T'as un CV, là. J'ai un bon CV, mais pour moi, Made It, ça aurait été pas 6 chiffres, ça aurait été 8 chiffres, ça aurait été worldwide. Mm. OK, oui, world famous, je connais du monde partout, j'ai mixé dans plein de pays. Shout out Danny. Mais pour moi, ça aurait été... shout my brother Khaled, parce que la première fois que j'ai vu Khaled, c'était à Miami, puis il y avait une chaîne en argent... Tu sais, le link, là, il était cassé. Il l'avait raccroché dans l'autre cercle. Puis il était tout maigre à radio avec des SL-1200. Shout-out à Miran. Google that shit. Mais shout-out à Genius DJ, AZ, Hustle Squad DJ. Shout-out à Woody. C'est là que je l'ai connu. Puis d'être rendu où ce qui est rendu là, c'est juste fou. Ça, c'est comme Made It. Mais bring the lobster! Bring the lobster right t'as now! T'as pas eu un moment où t'es en train de mixer devant une foule puis t'as dit « Oh shit, C'est légendaire. Parce que moi, qu'est-ce qui m'intrigue dans tout au ça? Au Sénégal, j'ai fait une affaire, là, il y avait comme... on était dans un stade, il y avait comme 60 000 personnes. Les francopholies, 50 000 personnes. On l'a fait avec Espy, j'ai fait avec Corneille, je pense qu'il y avait 60 000 personnes. Bro, j'étais DJ pour une Coupe du Monde, des shows avec... le festival d'été de Québec avec Rec One. J'étais arrivé, puis les gars, yo, Espy est pas là, lui il est pas là, Antipateur sont pas là. Je dis non, t'inquiète. J'ai branché la machine, tout était noir et jaune, le signe de Wu-Tang, j'ai ôté mon chandail Wu-Tang. Put your W's in the hair. J'ai juste fait Wu-Tang, ça a commencé. Wu-Tang. Je me rappelle, il y avait une couple de gars, il y avait un manifeste, tout le monde était comme, OK, I see you, mais... Tu vois, ça, bro, c'est des moments. OK, mais attends, mais comment t'as débloqué tous ces connects-là? Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu vois pas parler depuis tantôt, tu vois pas comment qu'il parle depuis tantôt. Mais, DJ Crowd, c'est une énergie, bro, c'est j'ai jamais énergie. Dit ça dans un podcast exclusif Chronique des Alcooliques, mais je suis DJ depuis quand même 1996. Je suis le seul gars encore là. Sur vinyle. Shit, depuis que t'es né. Puis tu me parles de Pusha T, puis je suis là. Dirk, baby, I'm there, là, comme... T'as vu tout le changement, l'évolution j'ai rappé, du hip-hop. J'ai fait du breakdance. C'est pour ça, tantôt, quand tu dis old school, tout ça, moi, je suis comme, yo, je suis dans le club, j'écoute du Afrobeat all day, j'écoute tout ce qui est current en ce moment. Fait que moi, qu'est-ce que j'écoute dans mon auto, c'est une chose, qu'est-ce que je veux parler avec les gens, c'est une chose, mais... je vois qu'est-ce qui se passe, je vois les vibes de rap. Même les vibes, des fois, que je catch pas trop... Mais je respecte. Comme tu as vu, Roger en ce moment est en France, killing it. Doing his thing in France. 600 seaters sold out dans plein de villes en Europe. Quand je vois ça, je suis comme, oh shit, OK. Je bombe pas Roger all day, mais je donne le ultimate respect là, parce qu'il est en train de build son mouvement. Puis toi, J7, c'est quand tu as su que, oh yo, MC's my shit.
I mean, I know that since I was born, Hollywood. Facts. Non, mais... Non, mais lui, il est dope, il en profite pas. Hard Drive J7. Yo, he got some fucking bars. He kill... OK, je veux I'm pas être cocky. Talk, non, mais 85% du game à Montréal, en tout cas, anglophone, il kill même francophone. Comme, yo, this guy got bars, mais... Même moi, ça, j'ai ça des bars. Ça commençait vraiment avec le rap et tout ça. Mais à la fin, c'est ça, tu sais, where's the bread? Fait qu'à un moment donné, quand que je commençais à faire du MCing dans les clubs, où est-ce que je me faisais payer régulièrement, j'ai continué vers ça, tu sais. Puis là, je host des concerts, des affaires comme ça. Mais tu sais, il n'y a pas de moment où est-ce que j'étais comme, oh... Mais je me rappelle, back in the days, quand je rappais, moi, je prenais vraiment de fierté d'aller faire des shows, exemple, dans le Club Soda, quand c'était plein, puis je connaissais personne. OK. Puis genre, si je finissais mon show, puis le monde, wow, il faisait du bruit, puis c'était lit, j'étais comme, OK. Bro, on a quand même fait une vidéo en Roumanie. Imagine-toi l'autoroute 40, là. Ils payent pour bloquer la 40. On est sur la 40 avec des Rolls Royce, des Mercedes Bulletproof, des hélicoptères, la madame qui te donne tes sandwichs, le café, dans des gros clubs là-bas. Comme on a pété. Puis ça, c'est... It was only in Romania. Yeah, that was in Romania with Fatty K.O.D. Big shout-out, my dog. C'est même pas even things like that. Mais tu sais, des choses, si tu veux dire, qui me rendent fier, c'est exemple, quand que j'ai MC au Grand Prix du Canada. Facts. Comme tu as vu, il n'y a jamais eu de MC au Grand Prix du Canada. OK. Wow. Moi, j'ai MC là-bas pour la foule, tu comprends? 135 000 personnes le jour de la course, le dimanche, tu comprends? Fait que moi, des shit comme ça, je trouve ça dope. Parce que whether I do it again or I don't, at least I open that door where now there's like, shit, maybe other guys can go and MC and it's like a, it's a door I open, tu comprends? Fait que moi, c'est des choses comme ça qui me donnent plus de pride. Quand on fait des shows, des affaires comme Métro, on l'a fait l'an passé, c'était fou, tu comprends? So, yo, those sorti... are the most lit moments I do, man. C'est comme... Did I make it? Non, je comme crowd. I don't feel like I make it. I made it, man. Like, what is this? Ouais. This is fun. Mais we're having cool, fun. Mais parce que c'est pas n'importe qui peut aller à Métro non plus. Là. Yo, tu comprends? C'est pour ça que, tu sais, c'est comme... Puis c'est un honneur de le faire. Puis je t'apprécie l'opportunité de le faire. Mais en même temps, j'ai encore le spirit de MC, de genre, yo, chaque fois que je hit le stage, il faut que je le kill. Even as a host, like a rapper, like when I MC for a DJ, whatever it is, tu comprends? OK. Je pense que c'est ça qui nous garde actifs dans la game après toutes ces années-là. Puis il y a une autre affaire, on est ensemble, on voit Snoop Dogg, on voit Cardi B, c'est comme... Moi, je sens que c'est juste des humains. Tu comprends ce que je veux dire? À la fin de la journée, tu vas aux toilettes, tu chies, la première chose que tu penses après, c'est t'essuyer, right? C'est, on est tous pareils. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend du bol. One world... Non, mais je comprends, mais one world, one nation. Le seul gars qu'à un moment donné, j'ai fait comme, oh shit. À un moment donné, j'ai mis 50 à New York, puis c'était vraiment quick. C'était comme... Ouais. Là, oui, parce que moi, j'écoutais 50 bien avant Get Rich, Die Tryin', Guess Who's Back, bien avant les 25 mixtapes, avant Woo Kid. Puis, tu sais, j'ai déjà mixé avec Woo Kid back in the day au Groove Society. Puis à la fin, j'étais avec Woo Kid. Gros spot. On mange dans une place qui est des... en tout cas, pas loin de Guy, là. Angelina? Angela's. Shout out. Les brochettes de OG poulet. OG Montreal. Mais spot. Tu vois, j'ai eu plein de situations comme ça qui est nice. Moi, c'est LL. Yeah. Moi, j'ai vu LL Cool J, j'étais choqué. C'est le seul que j'étais comme, damn. LL yo, c'est cool sûrement là. Cool yo, je suis fasciné par ce que tu racontes. Puis quand même, tu m'as still pas dit comment tu as débloqué ces contacts-là. Comme bro, j'ai fait de la TV pour Vidéotron, j'avais 16 ans. Mm. C'est une émission qui s'appelle Vibe Plus. Jean-Yves Roux, lui, était manager. T'avais 16 ans. Non, mais même avant ça, ouais. Jean-Yves Natif TV. Maloria qui fait maintenant le Gala Dynastie. Yeah. Toutes ces personnes-là étaient là dans le temps. Puis on faisait ça, puis c'était pour la TV communautaire. Après, c'est venu plus big. C'était les gars qui avaient acheté Montreal dans le temps. Puis, yeah. En tout cas, ça fait longtemps. Je travaillais pour BMG, c'était... Quand Mozaïen a signé, Anne Vivian est venue me voir, puis avec Kendou aussi. Tu penses-tu que oui, c'est comme le rap québécois, il commençait à pogner dans ce temps-là, tu sais? Fait que, tu sais, j'ai connu Britney Spears avant qu'elle commence, elle m'a invité à l'hôtel. Hey, DJ Crowd. OK, DJ. Plein d'affaires. Yo, ça veut dire DJ Crowd. Chokin, I Am, Passy, Je Zap et Je Mat. Comme, yo, bro. Yo, ça veut dire t'as so many stories. T'as vraiment cap sur les histoires. L'histoire qu'on t'a demandé. Yo, bro, pour ton alcool, là, DJ pour moi, t'as cap. Ça, c'est fondant. T'as cap fou. Yo, ton story est dope pour le rap. Happy for the G, man. Yo, shout out Big Mears. Comme nous, on a chillé avec Young Buck la première fois, deuxième fois. Troisième fois qu'il est venu à Montréal. Toutes ces affaires-là, G-Unit. Quand que c'était vraiment dans le
pic de leur affaire, facts, mais comme facts. C'était pas des drunken moments. Non, même le Cosmira, là, he got some story, man. Come on, man. Yo, we know the weekend, the whole night, everybody. I mean, you know, I know you guys called him security, but you know, you got to put respect on his name. Okay, a lot of security. Y'a pas de security in the building. Massari, Jibril Massari. Hey, why the Sharamit? There you go. Une autre question pour vous. Avec tous ces crowds-là que vous avez vus, on parle pas de toi, crowd. Ouais, je sais. 135 000, 60 000, 50 000. Yo, ça vous est déjà arrivé de choke on stage devant des foules comme ça? Non. Je dirais, thank the Lord, non. C'est sûr, t'as choke, toi. Je te dirais, dans mes deux premières années, peut-être. Mais maintenant, ça fait tellement longtemps que je fais ça, que c'est ça. Puis surtout, quand il y a 60 000 personnes, là, c'est comme toutes des grains de poivre. C'est plus gênant d'être dans un club qu'il y a 50 personnes. Genre, tu sais, c'est quoi qui arrive aussi? C'est quand ça fait longtemps. Ça fait du sens. Ouais, ben ça oui, parce sens. Que, yo, ça sont loin. Puis en plus que. Ouais, quand c'est plus petit, des fois, c'est plus. T'as la place des photographes, t'as un autre espace, t'as la sécurité. Le monde sont loin, là. C'est pas juste ça, c'est que quand ça fait aussi longtemps que tu fais, qu'est-ce que tu fais? T'es confiant dans ouais, ce que tu fais. Habitué, si toi, t'arrives, puis le crowd, il met un gros banger, puis moi, je suis là, puis je turn up, puis le crowd, il turn pas up, mais comme, je sais que c'est pas nous le problème, là, c'est vous que vous êtes toi avec, ouais, turn up, ça. Bro. Like, you know what I mean? Like, on sait que fait toujours des gigs ensemble, vous. On fait plein de gigs ensemble. Okay. Okay. On a fait comme. À chaque fois que je peux booker une book, à chaque fois je peux booker. Des fois, c'est sûr qu'il y a des affaires de budget, parce qu'on reste au Québec, là. Tu sais, on peut pas demander fucking 25 000, mais if we can ask 10,000, 5. Mais à six, no cap. Moi, je vis du rap depuis j'ai 17 ans. Moi, en passant, si tu ne checkes pas 10 bâtons, j'envoie l'émission à Revenu Québec. Non, mais tu sais quoi? De quel bâton tu parles, toi? Mais tu sais quoi? On parle depuis le tour de ci, ça, mais big shout-out aux promoteurs puis eux qui put up le bread. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas put up le bread, mais il y en a beaucoup qui le font. Puis qui apprécient, puis qui comprennent pourquoi les prix sont les prix. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça fait longtemps qu'on est là, qu'on fait ce qu'on fait. And you know what I mean? On livre la marchandise. Fait qu'il n'y a pas d'affaire d'arriver puis de choquer sur stage, si ça, avec DJ Crowd ou J7. Comme ça, c'est. It's not even in our vocabulary. Est-ce que je peux dire quelque chose? J7, I love you, my brother. Big love, my brother. Yo, ça fait une vingtaine d'années qu'il check sur moi. Il m'appelle un mercredi soir. Yo, ça va-tu bien? That's some real friend. Take care of your real friend, man. Of course, bro. Ça fait longtemps que always gotta look out for you, bro. I love you, no homo. Love you too, my dog. Yeah, dog. On connecte des alcooliques. Yo, les gars, je vous aime beaucoup. C'est pas comme si on se connaît comme vraiment boule graine, mais c'est deuxième boule graine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un bon genre boule graine. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais DJ Cross, je veux vous dire, moi, je le connais bien. Quand il est comme ça, puis il est confortable, puis il est festif, c'est parce qu'il apprécie avec qui. Ouais, j'aime bien. Le studio, il est nice. Shout à Black Box. Of course, big shout out Black Box. Hey, allez checker mon émission sur Yellow Seed Podcast aussi. Ouais. Big love famille. À Yellow Seed. Ouh, yeah, yeah. Mais, notre confrère. Chronique des alcooliques, c'est là pour rester, man. C'est... Moi, quand j'ai vu ça, je suis depuis le début. J'ai pas vu toutes les entrevues. Mais c'est un bon shit, encouragé, belle bagaille, nous pas garer, tête droite, viande la viande, gang. Yo, ok. Yo, justement, toi, tu pars comme ça, crowd. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui pull up sur toi et dit, yo, pourquoi tu pars comme ça, bro? Comme, pourquoi? Qui file pas. Pull up. Yo, tu sais qu'il y a du monde qui va hate. 9mm. Il y a du monde qui va hate. Laser beam. No violence. No violence, crowd. Non. C'est pas vrai. We don't promote violence. Non, c'est quoi? Je vais dire quoi? Moi, là, en tant que blanc, on m'a tout le temps dit, yo, t'as ton N-pass, t'as ton black pass, t'as ça, mais je l'ai jamais utilisé parce que j'ai une fille métisse que... Shay, Trinidad, Barbade, québécoise, italienne. Mm. Puis elle est vraiment Black Lives Matter. Puis j'ai jamais dit non. C'est quoi? Crois en qu'est-ce que tu veux croire, c'est important. I believe that. Parce que pour des blancs, malheureusement, elle sera jamais blanche parce qu'elle est light skin. Puis elle a eu du hate des some darker people too, you know? Ben à la fin de la journée, on est tous humains. Mettez ça dans votre tête. We got one life to live. Mais on t'a jamais de G-check? On t'a jamais de G-check, mon frère? Bro, j'étais le DJ préféré du ghetto. Les seuls gars qui m'ont dit check, c'est Eclipse. Yo, Crowd, y'a-tu des vagabonds à soir? Ben non, c'est correct, va-t'en. OK, on te fait confiance. Je te jure. Yo, moi, là, j'ai déjà été dans une fête, ça a tiré. Puis j'étais comme, moi, je m'en vais pas, là. J'ai besoin de ma paye. Tiré, moi, je reste en arrière du bout, c'est correct. J'attends ma paye. Non, je te jure. OK, moi, je suis né là-dedans. It's make not sure where you're from, it's where you there. Come from. Yeah. Get it straight. Tu viens de quel coin, Crowd? Moi, je suis né dans Villeray.
Mais okay. J'ai déjà eu un pied à RDP, à Montréal-Nord, à P9, à Saint-Michel, à Pointe-aux-Trembles, West Island. Shout to everybody from Mama Bay. I'm more famous, baby boy. Okay. West Side, what up? Okay. Hey, merci à tout le monde en Thaïlande, man. You already know, you remember that shit. Saint-Martin, we got you, man. Quel Thaïlandais qui t'a donné un prendre le temps de shout-out tout le monde. Tout le monde en Turquie et tout le monde à Amsterdam. Quand on était là-bas avec Crowd, c'était super lit. Big love à vous, man. Tu sais, moi, j'ai déjà vécu, là. Ah, toi, tu te prends pour un black. J'ai déjà vécu ça, là. Fait que là, qu'est-ce qu'il fallait? Je réponde vite. Yo, hip-hop vient de Bronx. Yo, you Asian, man. Compa looking like, motherfucker. Oh, mais shit. C'était juste pour me défendre, tu comprends? Mais bro, moi, j'étais tout le temps one man, one nation, tu comprends? Comme KK, un moment donné, me dit, ouais, c'est ça, Crowd. Toi, tu vois le monde mauve. Oui, je vois tout le monde humain comme... On moi, je pense qu'il faut plus de ça, bro. Oui, regarde, on a tout un purpose dans la vie. On veut élever nos familles, on veut être heureux, on veut faire du bread, on veut s'acheter une maison. Exactement, on veut bro. Mais malheureusement, rappelez-vous de ça, on est tous des esclaves des temps modernes. Réveille-toi, facts. Travaille-toi, wake fais up. Du cash. C'est ça, puis repeat. Yo, repeat. Open your third tu eye. Fais un peu de cash. Hey, wow, tu vas au cinéma, tu vas au resto. No yo, cap! Tu t'es payé yo, un fois, voyage fois, à Cuba. Des fois, c'est nice. Mais ils veulent tout le temps qu'on soit middle class, man. On prend trop de temps à focus des fois sur les. Puis, tu sais, il y a des injustices, tout ça, puis il y en a partout dans toutes les communautés. But sometimes I feel like we take so much time on that that we don't from we forget Lebanese the base of it all. Like, yeah. Je pense qu'on prend trop de temps de la mauvaise manière. Ouais. Comme moi, pour moi, je pense que... Ouais. I love you, Gardelac. I love you, Hollywood. Oh, shit. I didn't hear the English version. Gardelac. Yo, Gardelac. 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 Ça arrête d'être ma Céline Forani, Angéline. Gardelac. Non, mais je pense que, yo, surtout pour les blacks, je trouve que, yo, on fait trop de... Surtout quand il y a des injustices, on marche. Je suis tanné de marcher. Ouais. Bro, ça arrête quelque chose plus concret. Déjà, des blacks m'ont dit... Non, mais je dis qu'il faut craser. I'm not mad against it. Marocain, Algérien... Moi, je dis qu'il faut qu'on crase le palais de justice. Puis si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Il faut qu'on crase quelque chose du gouvernement. Ça va faire un vrai changement. Exactement. Ça, oui. Yo, hit them in their pockets, bro. Tu vas marcher, ça l'affecte rien. Ouais, j'ai mal au pied. Exactement. Crase le palais de justice. On n'est pas dans 10%, là. On n'est pas dans les 10%. On n'a pas notre vous, billet. Vous étiez dans quand Trump, les Trumpers sont allés dans Capitol Hill puis ont bum-rush toute l'affaire? Personnellement, moi, oui. T'étais ben dans oui, ben oui, ben oui. Okay. J'aurais dû trouver Trump en plus, man. Moi, okay. Je trouve que yo, quand il y a eu les émeutes à Montréal par rapport au Black Lives Matter, puis qu'ils ont... j'ai vu paquet d'ethnies craser des business mais non, privé, ça c'est whack. J'ai trouvé non. Ça whack. Mais non, ça c'est whack. Crase la SAC, crase la SQDC. Ouais, exactement. Crase le palais de justice. Exactement. Comme le gars qui vend sa guitare, il a fait chier à personne. Nous, on avait un magasin, nous autres, business owner, dans le Vieux-Montréal, il a été saccagé. On a fermé notre gueule, on a été remboursé par les assurances, mais c'était whack. C'est nous qui encourageons la communauté à the end of the day, baba. OK, so we take that loss, we the moon. OK, we take the L and keep it moving, you know what I'm saying? DJ Crowd, J7. We blessed, too many blessings. Y'all see the ad, shout to MJ. J7. MTL.com, holla at me, boy. Hey, man, c'est ça que c'est passe, les gars. 11, là. Yo, mais 48-11. J'ai même pas fini la bouteille. Avant qu'on va plus loin, je veux juste donner un shout-out. Yo, grosse shout-out émission. À High Dish, de High Dish. Dish. Facts. Qui nous a amené, quoi, des sandwichs? Facts. Ils nous ont blessés avec Big des sandwichs. Big love, High Dish. Hey, if you really want to have a good time. On veut donner un remerciement à The High Dish sur IG. Allez les follow. Yes, qu'on dit hi. You know what's in it. If you really want to have... So, let's go. Gardilac, reste loin du... I love you, Gardilac. Et jujube. Dank! Hey, but if you really want to have a good time with High Dish, put that extra special sauce, you know? Exactly. Okay, but it's you're no bitch. Yes, sir. Fuck that low life. We live in the high life. Shout to High Dish. There you go. Okay! Let's go to give. Il va être baba. Yo, bro, je commence à te péter. J'ai le bois. Quel en est là? Oui! T'es en boca. C'est visoyé. Abalacha. Assoi, pap dormi. Viens là, yo, c'est impossible. Yo, Crowd, je peux pas croire qu'on t'a jamais G-check. G-check. Ben, je peux pas croire ça. Yo, comment tu peux me G-check quand je fais du griot? Yo, bro, je fais du griot. Non, non, mais attends une minute. Yo, je bouillis mon shit, je l'utilise pour ma sauce, okay. Pâte tomate, oignon, piment bonnet, t'inquiète, belle bague. Yo, bro, il t'a dit piment bonnet. Je veux pas l'ordre de quoi de old school. Tu te rappelles-tu les 2 litres de Libon? Oui. Libon banane, Libon. Yeah, okay. Yeah. Attends une minute. Yo, we came from far. Puis tu sais quoi, ça, c'est love à tous mes Haïtiens dans la place. Mais bro, c'est world famous type of shit for real. On a avec Iktir, Wanishabeb, Wanishabit. When I fuck somebody, it's naïe. Tout en cru.
Shout à tout le monde. Wow. Shout à mes Sénégalais, Chibouja, Nagadev, Jejo Fai, Manifire. Lequel est le Néné? Qu'est-ce qu'il n'a pas le Néné? You know what I'm saying? Yo, OK, OK. C'est world famous type of shit. J'ai vraiment besoin de savoir. Yo, where's the lemonade, man? Sorry, man. I ain't seen it. Yo, okay. Comme la... Vas-y. Cache-toi, vas-y. Yo, j'ai vraiment besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir. So, crowd, avec tout ce que t'as fait, là... Funky. Yo, yo, avec tout ce que t'as fait, là, whatever, tu sais, puis avec toutes les connexions que t'as eues, combien de sloppy toppy t'as pris là? Oh! Sloppy toppy. Ouais, 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 là. Yo, yo, DJ Crowd in the movie, bitch! J7, toi aussi, t'arrives sur cette question-là. Je vais dire une histoire que j'ai jamais dit dans aucun podcast. Let's go! Et J7, c'était moins. La première journée que. Dans le fond, moi, je suis parti dans la scène des After Hours. J'étais DJ au sauna. Oh shit, sorry. Yo, tu as collapse live? Let's go! Non, 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 c'est juste. Tu as collapse? Too much hair in my body right now. Yo, moi, j'ai collapse, été, on coupe rien, 300, oui. 350, I'm 260, I'm coming 180, I'm going to the gym. There you go. The pec. Big okay. Shout out Saint-Germain. Hey, là, écoute, j'étais DJ au sauna. Après, j'ai jumpé au area. Après, j'ai jumpé au circus 10 ans. Ça a fucké. Avant le sauna, j'ai fait une journée au red light, mais t'étais payé par chèque la semaine d'après, ça marchait pas avec moi. Anyway. Mais tu sais, c'était quand le temps au red light que c'était le plus lit la première fois? Ouais, OK, ouais. Là, je suis rentré au red light. Moi, je savais déjà, lui, il était là, MC. Moi, j'étais heureux. Je m'en vais voir un de mes bons patinets, tout. Je fais le tour du OK, je connais elle, je connais une barmaid, je connais le boss, je connais ça, je fais le tour. Là, j'arrive dans la salle hip-hop, je vois une femme, elle est barmaid, tout petite, 5 pieds 2, elle s'appelle Sophie. Je suis comme, OK, il se souvient de tout. Oui, oui, c'est nice. Je m'en vais, je mixe, je fais mon shit. Un moment donné, je mixe. La fille, elle dit, ah, tu mets ta chance. Tu mets ma chanson, je te suce. Ah ouais? Ça va, nice. Je vais la mettre live, OK? Viens, en plus, il y a une petite affaire. Yo, elle se met à genoux, tout ça. Je baisse mes culottes, je suis en train de mixer le mic. I'm in love with the coke. Classique. Comme, oh shit, OK. Attends une minute, je me fais sucer, voyez l'amphigué, toute belle bagarre. Oh shit, OK, crowd, garde ça pour le Patreon, relax. Bro. OK, non. Oh, let's go. Voyez que ça veut dire, venez? Non, juste pour le monde qui... Oh, t'inquiète, okay, t'inquiète. Okay, le crowd savent. Ça explosion de saveur. C'était fou. Pour figure? Ouais, là, je regarde le gars qui fait les lumières. Y a-tu déjà un DJ qui a fait ça? Shout-out Steph Light. Ouais, Steph Light. Les gars, ça me rappelle tous les noms. Même Sherka, t'as pas fait ça. Il me dit non, personne. Je suis comme, yes! Je me rappelle. Mais le problème, je me rappelle. C'est que la fille yo, que j'ai... Si... Vas-y, c'est vas-y. Comme si t'avais gagné une ceinture dans la lutte. Ouais, genre. Comme une ceinture dans la lutte. Là, je monte dans le bureau. La barmaid que j'avais checkée, 5 pieds 2, nice, là. Des... C'est quoi, 32D? Belle bagaille, 5 pieds 2. OK. Booty like fucking Nicki Minaj. OK, un peu moins, mais bon. Okay. C'est naturel. Elle me dit, ouais, t'as eu du fun par la professionnelle? Next thing you know, ça fait 13 ans que j'étais avec cette femme-là. Oh! Shout out to So Pas elle qui l'a dans le DJ booth. Non, 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 pas la professionnelle. La OK, barmaid. Wow, okay, okay. 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 OK, OK, OK. OK, OK, OK. OK, OK, OK. OK, OK, OK. La professionnelle, Jay me dit que me semble... Whatever, whatever. On va pas rentrer dans tout ça. On va pas rentrer Jay, toi? R.I.P. I mean, shit. Dans tous ces shows, il y a beaucoup d'histoires comme ça. MC, voyage. Mais tu sais c'est quoi le pire? Il va pas le dire. Dans toutes ces histoires-là, yo, il y a eu des aventures aussi avec toi. Tu sais, t'as shout-out Motel Idéal. Ouais, moi, j'ai... Motel Idéal? Motel Idéal? La jeunesse ou... Si tu veux. Ça serait nice. Ça me dérange pas. C'est trop hardcore. C'est la chronique des acolytes. Yo, bro! Yo, ça, là, je sais pas si vous avez écouté la lutte back in the day. Je sais pas si vous avez écouté la lutte, mais les tag teams, genre les frères Rougeau, les affaires. Ça fait à peu près 14 ans. Moi, Crowd, on était comme le number one tag team champions. OK, OK. Chronique des acolytes, chat à Black Box. On va te dire de quoi d'exclusif qu'on n'a jamais dit. Oh, shit. OK, 14 ans. Exactement, ça fait 14 ans environ. On est dans un hôtel, c'est malade. Puis nous, quand on est avec DJ Crowd, J7, c'est lit. C'est le fun, on a des jokes, on a de la bouffe, ouais. On a n'importe quoi. Okay. Passe à passe à, on jump des toits, c'est fou. Attends, super tu sais lit. Même pas qu'est-ce qui se passe. T'inquiète, super lit. T'inquiète, jerk chicken on deck. On a de la mais c'était même pas supposé être une affaire tactique. Non, c'est parce pas que moi, affaire. J'ai dit, yo, crowd, j'ai la chambre. Nanana. Ouais. Oh, yo, Jesse, c'est ouais. Là, je pas de ma la propre chambre. On a la top, on a toutes les vies du monde. On a du buzz, on a de l'alcool. On a... Yo, la pharmacie est là. T'ouvres le show, ouais. Tout est là. C'était comme New York dans les années 80. New York dans les années 80. Deux, trois filles. Il y en a une, elle est chou, qui est plus sûre. Ah, elle... oh, je vais filmer. Hollywood, we'll show you the tapes later. Finalement, c'est ça. Elle filme pas, elle s'endort. Mais... Il y a des choses qui s'est passées. Là, à un moment donné, c'est tout ensemble. Donc, à un moment donné, on prend des salles séparées.
Moi, je finis avant parce que t'es pas ma femme, là, tu comprends? Il n'y a pas vraiment de viande dans la viande first. Je ne vais pas t'embrasser. Je ne vais pas te manger en bas. Okay, mais finalement, Charles, Jay, lui, il est en pleine action. Fait que je suis sur la table, je suis en train de rouler un wood. Oh, continue, Jay, c'est correct. Je la regarde, la fille est pas hésitation. Moi, j'ai pas arrêté. Pas stress. Jimmy! J'ai déjà couché avec, mais c'est... En tout cas, la chronique des alcooliques, c'était un peu plus... C'était super pas le meilleur. On va continuer pas... Comme whatever, tu sais. On va pas nommer des noms ou quoi que ce soit. Mais tu sais quoi? Tu sais, vous avez mentionné la fin. On est là, on est chronique des alcooliques. We're here, right? Sloppy toppy talk, là. Moi, quand. Shut up, Marie! Un moment donné, tu sais, tu parles old school, tout ça, generations. Moi, une fois quelqu'un. Non, pas Pogdana. Mais une fois quelqu'un, tu sais, des communications sur les réseaux, puis comme direct, genre, I want to come to your crib, tu sais, puis j'étais comme. Je sais pas. Directement des réseaux, c'est bizarre, ça qu'elle la personne. Moi, je suis pas habitué à ça. Oh, lui, comme... Jay, il reçoit des pussy pics. Non, non, arrête. Relax. Non, c'est pas vrai. Oublie des pics, pussy pics. Écoute les pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais anyway, c'était comme un peu une situation. OK, tu donnes l'adresse un peu plus loin. Là, tu sors dehors, tu checks. Puis c'est comme, damn, ça ressemble pas à la photo que j'ai vue sur IG. Ah ouais. But you know what? I felt like Drake that day. It was the best I ever had. On lance un défi. Défi la chronique des alcooliques. Prenez des photos de vous à partir de demain sans filtre, s'il vous plaît. On veut voir ça. Là. Défi. Oh, yo, t'as pris comme ça? Défi. Taguez les chroniques des alcooliques. Ah ouais. Chifou. Non filtre. J'ai pensé à ditch la situation. Puis j'étais comme, ah, OK. Mais t'es déjà là. On va prendre un verre. Puis ça finit par... Quand plus tu prenais des verres, plus elle est nice. Ouais. Singing the high notes. Pourquoi t'as mis ça dans... Ben là, Chris, il a mixé du gin avec... J'avais dit qu'il y avait pas de Attends, allez encourager les produits québécois. Shout à Pinch, shout à Polo. Les bouteilles, c'est malade. Là, t'es comme dans plusieurs podcasts en même temps que tu hosts. Yes. How do you go about this thing, man? Comment tu fais? Parce qu'ils sont tous hip-hop-oriented. Attends une minute. Avant qu'ils commencent... Laisse-moi 30 secondes pour expliquer quelque chose. Vas-y. Jay se réveille, il travaille, chaud, trois clubs, gauche, droite, tout. Même moi, c'est notre vie, on fait ça, podcast. Non, I get it. C'est sans arrêt. Les trois podcasts sont comme hip-hop oriented, si je ne me trompe pas. Regarde, moi, pour moi, les podcasts que je fais régulièrement, c'est le podcast sur 11MTL, puis le temps d'un jujube avec DJ Crowd. Côté givré, maintenant, mini-wheats. C'est comme, comme si, tu sais, quand tu prends tes mini-wheats le matin, right, tu mets tes mini-wheats dans le bol, tout ça, tu check. T'as un côté qui est plus wheat, santé, whatever. If you want to get that knowledge and hear about the gems of these artists, tu vas sur podcast 11MTL. Si tu veux le côté plus givré, plus wild, plus turn-up, tu viens checker sur temps d'un jujube avec DJ Crowd. Okay. Mais à la fin, c'est qu'est-ce qu'on parle on a regular basis. C'est un peu comme du TVA. Podcast, Mike Ward, le temps de jujube. À la fin, bro, c'est... Dans le cul sans capote, moi, je vois ça, ouais, comme que... C'est pas vrai. Whatever we're talking about, on pousse la culture forward. Je pense que... T'inquiète pas, man. Je sais que c'est deux formats un peu différents, mais à la fin, je pense qu'on pousse pour la même raison, so... Ouais, man, c'est pas stress, c'est pas vraiment compliqué. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. Être avec DJ Crowd comme ça... Ouais. Des fois, tu dis pas, yo, ce gars-là est fou. Mais je c'est sûr, sais. T'as déjà eu. Non, mais attends, dis t'as déjà eu cette expression-là. Il est comme réveille-toi. Yo, bro, moi, depuis que tu tournes les caméras, c'est action time. Ouais, ouais. Mais bon, dans la vie, je peux pas être comme ça 24/24. I'm an actor, man. La vérité, c'est que DJ Crowd est toujours lit comme ça. Ouais, je suis sauf lit. Ça dépend. Quand les caméras sont on, il turn le volume un c'est peu ça. Up plus. Whatever, il gère. Il est toujours hype comme ça. Il est toujours hype comme ça. J'ai été en voyage avec lui. On a été des tournées partout autour du monde. J'ai eu des moments de genre, yo, bro. Calme tes fucking nerfs. Okay, j'ai besoin de dormir. Comment il m'a j'ai besoin de dormir. Il y a eu des moments comme, yo, t'as pris 100 000 puis un iPhone, comme the fuck down. Ouais. La maman m'a accueilli au podcast. Shout out to Face Night Club out there in Romania. Mais c'était un lit posé. C'est Bogdan, quoi, what up, I see you. Dès que la caméra a yo, été sur shout out MC. Somebody. Il était gone. Shit. C'est vrai, là. En passant, on dirait que, yo, crowd, t'es d'accord avec moi que, yo, dès qu'on dit la caméra est honte, c'est comme si... Excite. Ouais, mais tu sais quoi, moi, je veux juste donner... J'essaie de donner... Bro, on a une vie à vivre à la fin de la journée. J'ai perdu des amis que on se parlait comme... C'est comme si on se parle là, puis je veux même pas dire non, je veux pas jinx, mais Maton Pierre, il est avec nous. Demain, on se réveille, puis il y a eu le verglas, là. Rappelez-vous de cette émission-là, on l'a tourné quand c'était le verglas. Même si ça sort après, gang shit.
C'est comme s'il a marché sur la rue puis une branche qui a tombé sur la tête. On sait pas, là, tu sais. Puis quand t'arrives à 30, 40, 50, you never know, man. Et cancer, tout. So, we gotta end your life, puis on doit s'aimer, puis on doit être ensemble, toute la communauté, toute la ville. Attends, je peux te dire une chose que par rapport? Bro, aimez-vous. Comme personne d'autre! OK, aimez-vous en quartier, s'il vous plaît. C'est comme. OK, for real. Non, mais attends une minute. Tu peux Montréal, pas séparer un quartier que je fais un jogging le matin, 10 minutes, je suis rendu dans ton quartier, on est ennemis. S'il te plaît, faites ça. OK, pognez des bifs parce que quelqu'un a violé ta mère, agressé ta sœur ou t'a volé 1,5 million, cool. Mais allez pas. Shoot pour des scoring games ou des affaires de même. S'il vous plaît, please, man. À la fin, je pense qu'en tous les quartiers à Montréal, we have to increase the peace, man, parce que Montréal, c'est petit. Puis je pense que, exactement comme tu dis, hey, Jay, tu fais des podcasts, hip-hop, t'en fais deux, trois en même temps. Je pense que, yo, ça, c'est la base. C'est rien, bro. Je pense que la scène hip-hop est encore tellement petite. Il y a tellement de choses qu'on peut faire que tellement de gens pourraient contribuer to make this a multi-million industry. Tu comprends? Comme ouais. It's a multi-million dollar industry partout autour du monde, mais pas ici au Québec. Fait que toutes ces affaires-là du monde qui disent « Oh, yo, tu fais deux, trois podcasts au Québec, du hip-hop, yo, c'est pas trop la même chose. » C'est comme « Man, I'm thinking so much bigger than that. » Moi, je m'amuse avec oui, ça. C'est ça. Ça, c'est le fun. Moi, mon but, c'est de voir des artistes devenir des millionnaires, bro. Ah ouais. You know what I mean? And then we'll see where it goes. Pourquoi t'écoutes TVA? Pourquoi t'écoutes BET? Pourquoi? Bon, on peut-tu faire? Fait que dans le fond, toi, là, avec tout ce qui se passe, tu vois beaucoup de rappeurs là, qui rentrent en dedans, qui sont dans le gel. Tu vois que ça fuck up le game, là. Ça, c'est plate à voir. Ça, c'est plate à voir parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment dope. Facts. Qui finissent par faire du temps, des choses comme ça. Puis, it hurts the movement, no matter what. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je pense qu'à la fin, si tu veux vraiment être un rappeur puis se faire une carrière de ça, il faut que tu fasses une décision. Puis que tu dises, OK. If I want to be in the street, I'm going to be in the street. But I can't be in the street and rap about it at the same time, bro. Parce que là, tu fais juste attirer du heat. Yo! DJ Crowd est en train de jouer à tic-tac-toe avec les verres. Je suis tellement dead. Yo, je le calcule. Mais sincèrement, je suis content. Non, mais qu'est-ce que je disais, c'est important. Attends. Qu'est-ce que je disais, c'est important. Il faut que les artistes comprennent aussi. Si tu veux vraiment faire de la musique, puis tu veux... rester dans le street, tu t'attires des problèmes, tu t'attires des 100%. Complications, tu t'attires beaucoup 100%. De yeux sur toi. Les 100%. Gens, ils regardent des podcasts, ils regardent des vidéoclips, ils regardent des artistes. So if you're still in the street, you got to make a decision. You know Seven. What I mean? That's just my opinion. Gang. That's just my opinion, là, for real. Si tu sais sur quelqu'un, attends-toi de faire du gel. Le monde, il parle de 6ix9ine, mais Chris, il snitcherait parce que t'as volé son bagel du Tim Martin. Reste tranquille, le frère. OK, attends. Yo! DJ Crowd? Des accolés. Yo, OK, Crowd. Wow. Crowd podcast. Bro, I love you guys. I wish you the best. Oh, ouais. Suivez ces... Suivez Holly Moneywood. Suivez John C. Suivez Gazulac. Suivez tout le monde. Hey, yo. On peut-tu rapporter un 30 minutes? Je vais payer pour l'exclusion. Relax. Je veux qu'on aille le plus long. Big Mears is on the time limit. Big Mears is on the time limit over here. Mears, t'inquiète, je vais faire un transfert bancaire. OK. I got a couple logins. T'inquiète. Chat à tous mes Libanais que j'ai vus dans tous les pays que j'ai fait. Yes. Partout où je vois, il y a un Libanais. Libnani, you already know what it is. Yo, OK, Crowd. Même au Sénégal, il y avait des Libanais. Tabarnak. OK, Crowd, je veux savoir, maintenant là que tu vois, bon, c'est toi qui l'as. Tu vois tous les artistes live, à quel artiste t'aimerais travailler live que t'as pas encore travaillé avec? Wow, bonne question, man. Ah. Moi, je te dirais Drake. OK, okay. Et c'est fucked up parce que Drake, moi, j'ai déjà été dans des situations avec Drake qui a fait des shows à Montréal, puis j'ai des gars de Montréal, yo, je vais voler sa chaîne. Back in the day, avant de Gracie, quasiment à borderline type of shit. OK. Les deux frères, Nick puis Vic, Flair Society, j'étais avec Drake, puis je suis là à essayer de vendre à Drake des infographies pour 80$. Des fois, je check back, puis je roll back, puis je dis, yo, j'aurais dit, tu sais quoi, je fais tes infographies gratuites, tes singles, n'importe quoi, for life. J'aurais peut-être été au VO, mais tu peux pas calculer la vie comme ça. Shout my brother Drake, man. Puis à Montréal, ça serait qui à Montréal? À Montréal? Un artiste, un rappeur de Montréal. Un rappeur de Montréal que j'aimerais travailler. Shit, c'est fucked up, je les ai toutes vues. Je sais même pas quoi te répondre. C'est qui le rappeur avec qui t'as le moins aimé travailler à Montréal? Bonne question. Ouf! Puis là, fais pas ton politicien. Non, je vais pas faire mon politicien, mais aucun, bro. Tout le monde a droit à sa chance, tu comprends? C'est pas ça que j'ai dit. Même tu sais quoi, Roy Nock avait pas fait de show pendant des années, puis je suis allé chercher chez eux, puis... C'est pas ça la question. Puis on était à Québec. La question est claire. T'es en mode Quintal, là! T'es en mode Quintal! Avec...
avec tous ceux que t'as travaillé. Avec tous ceux que t'as travaillé, là. Major Way, let's go. Major Way. Dis-le aussi fort. Lequel avec qui t'as le moins aimé donne travailler. Pas que t'as pas aimé travailler. Ouais, mais tu sais, t'as le moins aimé. Non, mais j'aimerais y répondre. Mais moi, si je veux pas travailler avec toi, je travaille pas avec c'est toi. C'est pas ça la question. Je peux pas te donner un gars. Non, mais quand t'es arrivé sur place, puis t'es comme... À la fin de la gig. Tu t'attendais pas à ça, peut-être. À la fin de la gig, tu dis, OK, lui, c'était moins le fun. Tu sais quoi, je peux pas dire pour un rapper personnellement, mais je peux dire pour une couple de rappers. Ici, tu fais un track, puis une couple de views, puis les gars pensent qu'ils ont rendu Jay-Z. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Mais ils habitent dans une fucking Mercedes, puis il faut qu'ils changent les tires. C'est pas ça la question. Ils ont des tires d'été. Crowd. La question est claire. Tu patines. T'es un bon patineur. Je peux pas te sortir un nom, c'est ça que je te dis. OK. Fait que dans tous les artistes, il n'y en a pas un qui se dit à la fin de la gig que j'aurais dû refuser cet argent-là. OK, là, tu parles d'argent. Mais là, attends une seconde. DJ Crown ne va jamais refuser de l'argent. Là. Non, non, ça, exactement. Non, jamais refuser. Mais tu sais, des fois, tu peux dire... We got a deal for everybody. Okay, exactly. T'as 20$, je vais dire salut. Tu comprends? Si t'as 1000, ça se peut que je te dise, yo, you know what it is, your boy DJ Crown, shout to this guy, Major Way. Bon, DJ Crown vous a fait du bon politicien. JSFM, quel artiste qui te ferait sortir de ton iris de rapper, là? Ah, oh, de dire de faire un feat avec ou des affaires comme quoi ça. C'est quoi son nom? Cyrano? Ah, oh, Ferris Karam. Ferris Karam. DJ Khaled est sur des vibes libanaises. Oh, mais, ouais, ouais. Shit, si tu me dis... Tu sais, comme moi, je suis un gros UGK fan, Bun B, Pimp C, R.I.P. Zero. Ça, c'est vrai. Des gars comme ça. C'est un mec Houston comme ça. Oui, oui. Des gars comme ça. Bâton rouge. C'est Bruce C, all those guys. And I'm not talking about the dick when he fucking chicks. Mais à Montréal, t'aurais voulu faire un feat avec quel artiste que t'as pas encore fait? Yo, là, c'est comme si je parle comme si je suis actif encore. Je suis pas vraiment actif. C'est pour ça que tu m'as dit, qui te ferait sortir de ton A&S? J7, on m'a dit que t'as un paquet d'on release, bro. Ouais. On m'a dit que t'as un paquet. I mean, dans les on release collab, il y a genre des Corneilles. Il y a des Sans Pression, il y a des Camaro, il y a des ces affaires-là. Donc, il y a dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération. J7 avec Spank Squire, J7 avec Nate Husser. Je voudrais J7. Ouais, si tu parles anglais, ça serait ces gars-là. Si tu parles français, ça serait des gars comme Zach Zoya. Même un gars comme Enima, man, you know what I mean? Ça, c'est un gars que je bump sa musique for real. T'as pas un on release avec Enima? Non. Non, mais non. Ça, c'est différentes générations. Yeah. Moi, j'étais dans les clubs quand Enima a commencé à sortir. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Enima, c'était des jeunes qui venaient et qui disaient « Yo, je joue du Enima ». J'étais comme « Wow, c'est qui ça ?» J'étais juste habitué d'entendre Sans Pression, Cœur de Montréal, à ce moment-là. C'est juste ça que les gens demandaient. Si je te dirais, c'est qui ton top 3 rappeurs là à Montréal live, ça serait qui? En ce moment, tu me demandes « Top of my head », je te dirais « Enima, Shreez, Ratch ». Okay. Yes. Toi, c'est, DJ Crowd. C'est une très grosse liste. Ça. Moi, je te dirais. Fucking Enima, Loss, Dirty Yes, Ratch. Il va te nommer toute la liste. Yo, lui il est fini même. Yo, chambre en bas de Cubito. Attends, il y a personne qui Mike Job. Fucking. Il n'y a pas dit Shreez. A lot of people. Yeah, Shreez, c'est la jeune légende, man. Shreez, c'est la jeune légende. C'est un good rapper, puis en plus, c'est un good gamer. Moi, je connais rien là-dedans. Puis, shout à Shreez. Je pense même pas que Shreez a fini avec juste le Québec. Tu sais quoi, Shreez, là, il a pull up sur moi. On a fait un track, puis je ne l'ai jamais même sorti. Ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Puis, Shreez, moi, puis Shreez, c'est comme famille, là. Il ne m'a pas parlé rien. On est arrivé. Transfert, ça s'en vient bien. Moi, je pense que beaucoup de rappeurs d'ici prennent pas ça assez au sérieux. Puis ils réalisent pas que, yo, si j'irais, puis j'irais en France moi-même, puis je passerais un mois de temps là-bas à connecter avec les gens, puis vraiment entrer dans la game, ils réaliseraient que, damn, I can make some real damage. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Kéké nous expliquait ça quand il était venu à notre émission. Il disait que, tu sais, la France écoute pas le Québec. Comme ils nous écoutent pas, là, comme... On est dans notre petit coin là, là-bas, puis. Ouais, écoute, je connais des énormes en France. Attends une seconde, Beaucoup de monde important qui me c'est dit ça. Le rap québécois n'est pas si fort, mais quand un instant. Roger qui remplit des c'est ça. Yo, c'est qui qu'on croit. Moi, là, en ce moment, je viens de faire un FaceTime aujourd'hui avec mon boy 11. Big shout out mon boy 11 qui est en France 11. En ce ça, moment. C'est ma boy. Qui est en tournée en ce moment avec Roger. Queen's Blood. Qui me dit, yo, bro, exactement. Big shout out. Qui me dit exactement que, genre, yo, bro.
on est là en France, bro, puis les gens, ils connaissent Roger, yeah. ils connaissent Enima. Tu leur dis Montréal, ils sont comme « Oh shit, Montréal! » Fait que c'est une question d'aller puis faire les moves, bro. Roger est en France depuis ouais. 2016. The first time he got flew out there was in 2016. Mais il n'en parle pas, il n'est pas comme le gars qui va parler. But he's been doing aussi, moves. Fait que de voir qu'est-ce qu'il fait maintenant, si Roger peut le faire, Shreeze peut le faire, Enima peut le faire, Dirty S peut le faire, tout le monde peut le faire, bro. You just gotta make the moves. T'as déjà calculé devenir un manager de quelques rappeurs ici, non? Non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse trop, bro, parce que je veux pas que mon bread dépende sur le mood de quelqu'un. Ouais. OK, ouais, je comprends. Mais tu sais quoi, je pense que je serais un des meilleurs managers parce que dans ma vie, j'ai eu comme 9 managers puis ils sont pas meilleurs que moi, fait qu'il a fallu que j'ai kick out. Moi, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait sur les médias, les plateformes qu'on fait en ce moment, exemple 11MTL, Temps d'un Jujube, tout ça, moi, je pense que ça, c'est les nouveaux médias du futur. Ça, c'est les nouveaux médias du futur. Puis je pense que c'est le but, c'est de elevate ça à devenir les grands médias and just represent the culture the way we're representing it. Moi, j'ai vu les débuts là, de 11MTL comme quelqu'un que je connais personnellement. Comme, exact. Same, come from the same hood. There you go. J'ai vu les débuts, même que c'est bizarre, là. Travaille dans les restos, là. OK, ouais. Fait que toi, tu connais 11 for real. Shout duo de chef, capping, on parle de comme, hold up, hold up. Il va te dire, là, comme il va te dire, right comme, c'est des trucs qu'on parlait avant qu'il commence, là. Tu comprends, comme, Fennec avait même pas encore ramassé un micro, bro. Wow. Wow. Big shout out, Fennec, exact. C'est à ce point-là. J'aime ton swag, j'aime les notes que tu drops. Fait que moi, quand les gens, ils me parlent, ça marche et souillé, là. Tu fais un podcast, deux podcasts, je suis comme, yo, bro. Il y a des plans puis des dreams qui sont tellement plus gros que ça. Ben, ma question, c'était pour que tu puisses rentrer là-dedans pour justement que tu expliques à Montréal. Comme moi, là, je parle avec Jonesy souvent de ça. Je dis, yo, dans la game du podcasting à Montréal, il n'y a personne qui se nourrit de ça, qui mange de ça, right? So, il faudrait qu'il y aurait au moins une plateforme à Montréal qui débloque. Ben, big shout-out aux sponsors. You know, ceux qui show love. Ah, you know, big shout-out. Send, sure. Send some love, you know what I mean? For sure, for sure. Mais je dis toujours comme si, yo, il faudrait qu'il y aurait un de nous qui perce pour montrer qu'il y a des content creators à Montréal qui whatever, tu comprends? 100%. Puis moi, je pense que même les podcasts, ça peut être un school pour évoluer à devenir quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a du monde qui veulent, qui vont pas dire que « Hey, je veux que mon podcast devienne la plus grosse affaire au monde. » Peut-être moi, je veux évoluer puis aller à CBC puis représenter la culture là-bas. Mais les gens savent que Montréal ça dépend, est c'est quoi, ça dépend moi, c'est quoi le plan. Moi, j'ai déjà DJ puis il y avait Wesley Snipes qui dansait devant moi. Le monde aime chiller à Montréal. Drake, back in the day... Il était à Toronto, lui. Il veut pas rien savoir à Toronto. Où tu vas après Toronto? Tu vas à Montréal, français, anglais, facts. Vieux port, regarde, bam, bam, bro, moi, je pense qu'à la fin, là, Montréal, c'est une question. C'est Montréal is a fucking hold up, game. Hold up. Moi, je pense freaky, que c'est... Freaky, des beats à gauche, à droite. Yo, of course. We're famous. Yeah, see the but tax. Me, I think it's about... Céline, je pourrais hold nager up, lire. Hold up, man. Yo, DJ Crowd. Chill out. Mais moi je pense juste que c'est une question d'exemple, comme les podcasts, t'as vu? Vous êtes venu à notre podcast, on vient à votre podcast. Les artistes, ils viennent au Temps d'un Jujube, ils vont à 11MTL, ils vont à Rap Politique, ils vont ici. Tout ça, c'est de créer un écosystème. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Même chose avec les sponsors, duo du chef, n'importe qui show love, tout le monde. Il faut que le monde qui regarde supporte ces gars-là puis qu'on build notre propre écosystème. C'est bâtir une culture. Est-ce qu'on dépend pas, on dépend pas des grands médias ou quoi que ce soit. We're getting rich off our own shit. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que les collabs entre artistes, même chose pour les podcasts. Je pense que c'est juste ça de build qu'est-ce qu'on est en train de faire, man. We got something good going in the city, man. 100%, mais qu'est-ce qui est pas good, c'est que c'est la chronique des alcooliques, puis je vois, ils se sont même vaillés. Yo, bro, calcule-moi pas. Moi, je m'en veux, hein. C'est de faire toi, c'est vrai, depuis le début. Moi, c'est toi, c'est fucked up. Si j'ai juste un mot à dire, shot à bande de rancés. Yo, je suis sous deux juges. Pas dans le show, là. Maintenant, t'es aux chroniques des alcooliques. On n'est plus au temps de j'ai une dernière question pour toi, vrai. Crowd. Belle bagaille. Yo, bro, j'aime votre podcast, malade. Tu m'as dit que t'as un label. Non, j'ai pas un label. T'avais un label. Major Wiz. Ils ont pensé que c'est un label, mais tu sais quoi? J'ai tellement encouragé le monde dans ma vie. Okay. Puis j'ai dit son nom. Hollywood, Gardilac, J7, Bababa, ça, SP, Anticipateur, Enima, K-Benz, Mike's Up. Tu comprends? Okay. J'ai dit, moi, dis les noms à tout le monde, mais avant de dire leur nom, je vais dire Major Way. Major Way, c'est un mouvement. Tu te réveilles le matin, là, tu te réveilles. C'est une façon de penser, c'est une gris, façon de vivre. C'est plate.
sais-tu quoi? Reviens dans ton lit, réveille-toi. Shit is major way. C'est la voie principale. Everything okay. we do is try to be major way. It's positive type of shit. You know what I'm saying? Like major way okay, is so his shit, but I'm living label. Major no, way. Everybody's living label. Major way. Major way is major way. It's the way of life. It's okay. the way of life. Everything you do is major way. Ça veut dire, je peux bite ton shit. Ben okay, ouais, tu peux dire c'est major attends, way, bro. Attends, Cardillac pété ses jujubes du temps de jeu avec DJ Crowd, J7, il se fait sucer le zozo. Toto de l'enlèvement, belle bagaille. Là, t'es comme... Ah, ah ouais, des bons vibes. C'est pas la meilleure. Elle a pas de pression dans sa bouche. C'est pas major way, c'est ouais, major, pas major way. Ça, c'est major teeth. C'est major non. C'est no major lit. Teeth. C'est no lit. C'est no lit. C'est no lit, c'est major non. Tu veux que ça soit major oui. Tu comprends? Major way. Yo, il est wow. Major way, major way, c'est tout ce qui est positif. Ok, ok. Tu te réveilles, ta mère a gagné la loto, c'est major way. Crowd. Okay. T'as couché avec une fille, bro, en 25 ans de ma vie, parce que tu vas avoir 26. Ouais, exact. C'est la meilleure baisse que j'ai eue. That shit is major way. Crowd. Major Hollywood, il arrive, y'all see the bling, y'all see the ring. I try to be like you, my brother. That shit major way. J7, best host in the fucking city. You did? That shit major way. Mirror, il brasse les mains. C'est quand le Major Way Book sort? Ah. Parce que toi, au non, Québec... Non, mais tu vois, prolifique, ton manteau, le lion... C'est pas ça que je t'ai demandé! That's Major Way, of course. C'est quand le chef, j'attends ma poutine. Yo, yo, okay. C'est pas ça qu'on t'a demandé. C'est quand le book. C'est quand le Major Way Book qui sort? Le book... Yo, oublie le book, l'album. Le life story DJ Crowd. L'album, yo, l'album. Yo, ça c'est c'est écrit dans le book. Hey. Ça paraît, je vois sa face qui est chouk. Wow. Freestyle, OK, non? OK, let's go. Vas-y. Dollar bill, tour de l'île. Hey. Musique dans le sang, pas du fentanyl. Non. Je vais pas bouger pour un 100, peut-être pour un 1000. Peut-être. Ça rêve d'être ma Céline, je pourrais né Angélil. Non. Attends une minute. Yo, Cyrano, t'es venu. Let's go! T'as même pas la gueule, boss! Mon dick devant sa bouche, j'ai lancé des kills. J, tu peux... Attends, mon dick devant sa bouche, je lui ai lancé des kids. Wow. Garderie. J'ai tout mis à la bouche, il me reste un peu de liquide. Yes. Toujours les mêmes gens, j'ai pas changé d'équipe. Non. Je peux t'en parler longtemps comme à rap politique, comme yes. à podcast, comme à chronique des alcooliques. Yes. Ouh. OK, attends, je mets gelé dans l'abribus. Là, je suis world famous. J'ai vraiment upgrade depuis la Ford Focus. Wow. Les gars font tour de l'île avec des cartes aux puces. Pendant que je suis à la queue de cheval, extra tarte au sucre, hey. Diabète. Il y a tous les rappeurs qui sont venus à rap politique. Attends une minute, Prolifique. Exclu! Ce moment est commandité par Prolifique. Ratchet, I see you. J'ai acheté de la crypto avec le rap money. Yes. Bacon soda, je suis dans le trap dummy. Trap. Je fume du gros loud, je commence à act funny. Loud. Deux, trois bits sous la dure. How many crowd? Produit fantastique, tu sais que c'est pur. 4-5 whip avec le rap money. Wow. 5 minutes, 5 000, c'est fast money. Yes. Okay. Je lance des billets sur la pute, je suis mal poli. Bousin, wow. Ho. Hose. No. La bitch passe dessus comme la Zamboni. Okay. Je paye mon avocat avec le rap money. What? Yeah. 4 papiers toujours plein de brocolis. Yes. 24 sur 24 dans le rap game. Sarah fait des choses, mais elle prend pas de paye. Je pensais qu'elle était smart, mais elle va pas de brain. Un autre jour, puis sur mon rap money. Yo, rappers. Yo, step come your on, game rappers, up. Okay, J. Attends, tu sais pourquoi je rappe pas? Le bag était pas là encore. Non, mais on arrive. 2034, le bag va être vraiment non, là. Non, mais J, tu vas sortir. On a besoin de 15-20 minutes. Yo, attends. Non, J. On va laisser aller, mais moi, j'ai écouté du J7. Non, J, il fait que je sais qu'est-ce qu'il peut donner. Mais là, là, faut comprendre. Joe, Jay, il y a la scène. On a une coupe de rappers. Il n'y a pas un de vous qui a drop un bars. Ouais. Aujourd'hui, là... Pour Jay, c'est bars, c'est bars, c'est bars. Vous avez tous fait... OK, je vais faire quelque chose de différent parce que j'ai un crowd. OK, capella. J'ai mon boy Big Mears dans la maison. J7 on the mic. Hedda, l'akil ouled al-Arab. L'akil ouled al-Arab. Fitna bil mahal, ismi J7, mah Sharif. Gang. Ou basma min halin ghalam bi haytu yalla tif. OK. Fik tasalna soualit baykhin. Abel l'kil izim tfilla anno jayin. Mali ma'rouf. Arib li shway uta ashouf. Kil kalimun min utra. Ay, 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 ay. Sharouf. Mat tih. Ou mat ul unu nahna jdeed. Hedi l'ghaniyya amilneha la ahla blad. City where we keep it fucking popping all the time. Time. You got hoes, but you don't know how to keep them all in line. Line. Ballin' fine, show me how your paper multiplying. Multiply. On your grind, where your soldiers on the front line. Front. Stop lying, put your money where your mouth is. Mouth. Okay. You know that when I flow, I'm all about biz. Come down south, taking it back up to the north side. North I can side. Handle my city, so if you're with me, let's ride. When I was coming up from the triple OGs, I learned the game. Woo. Take the guarantee from E-Man, they done earned the name. Double. We ain't triple. Bills, same. You're fucking okay. I'm twisting, man.
Yo, monsieur! Yo, yo, yo! OK, regarde, guys. Je suis un podcaster aujourd'hui, man. Je rappe plus comme ça. Yo! En direct! Jay. Il l'a pété. Je te dis dès maintenant. On a une question. Qui avait le meilleur verse dans le track de Impress? Cyrano ou J7? Arrête. T'es sérieux? Toi, là... On va pas commencer, on va laisser Cyrano tranquille. Moi, je vais répondre. Non, Cyrano, my brother. Moi, je vais te répondre si tu me réponds c'est qui le rappeur que t'as le moins aimé travailler. Bon, mais tu parles à un gars qui aime la ville. Yo, j'ai aimé tout. Avec chaque gars, c'est une expérience. Même s'il est whack, je t'aime quand même. Tu comprends? Il y a du monde qui mange des hot dog chez Valentine, puis il y en a qui mangent un bon politicien, DJ Crowd. Merci, DJ Crowd. Regarde, le hot dog chez Valentine peut être cool. Tu demandes des questions. Tu demandes des questions qui sont évidentes, man. When I look up at the sky, the sky is blue. When I touch water, water is wet. We all know the answer, you know what I'm saying? En passant, Jay, je te dis dès maintenant, on va sortir, on va faire un snippet du freestyle. Puis il va falloir que tu envoies les sous-titres à Jonesy. Ah, shit, OK. Non, mais là, moi, je suis twisté. C'est pas moi, j'ai dit, là. Yo, tu sais, qu'est-ce qui est fucked up? C'est rien de sérieux, là, c'est juste des choses que le monde ne connaisse pas sur Jay, là. Jay, il a été deep dans la lutte depuis back in the day. Yo, attends une minute. Mon tu nom, les caleçons? Attends, les... Non, relax. On va leur dire des facts. Les gens ne savent pas, là. Mais mon nom, La Fédération Montérégienne Facts. De lutte qui m'ont invité l'autre fois, man. Je suis allé manager un event là-bas. On est rentré dans le chip de Punchy Big Love. 100%, allez checker le footage sur YouTube. Yes, il y a tout le monde qui connaisse vraiment la lutte? Oui. Non, pas moi. OK, je vais vous dire un de mes oncles, puis tout le monde va être choqué parce que c'est la chronique des alcooliques. DJ Crowd, J7, le temps de jujube. Yo, shout my uncle Bam Bam Bigelow, man. Pourquoi? Parce que LT a goumé avec Bam Bam Bigelow. Oh, je respecte ça, WrestleMania. C'est pour ça que je suis devenu fan de Giants. Lawrence Taylor, classique. Yo, Hollywood, t'es un football guy. Faut que tu saches ça, bro. Ben oui. Je prends un shot de n'importe quoi. Let's go! Tu sais ce que j'aime de ce drink-là? Montréal, LS Cream. C'est comme un crémasse, mais un peu plus liquide. OK. Un goût. OK. Qu'est-ce qui ressemble à ça que tu mets dans ton café, là? Baileys. OK. Yo, fuck Baileys. C'est LS Cream ici. C'est LS Cream. Belle bagaille, Asian mob shit. Yep. I'm saying, I see you. Yo, merci de croire en moi. Stephen Charles. I got a graphic company, man. Prends le shot. Shout out Stephen Charles. Shout out toutes les compagnies de Montréal. C'est sur Recollapse. Il vomit live ce soir. C'est sur Recollapse. Vomit sa live. Guys. Yo, Michel, ma fête, c'est le 23 avril. Shout out avril. OK, Let's go! La chronique des alcooliques. Let's go! OK. Garde les gars, il Let's go. You know what it is. It's all about the crocodile. Y'all ready? Okay, you ready? Yes. It's fine. Let's go. More crocodile. More alligator. Pussy boy, they get shot. No more headshot. Catch me in the Lambos. We didn't see you later. Me got the Warren G star regulator. Me got the Warren G star regulator. Warren G's connect. Yeah. Regulator. Me got the Warren G star regulator. Me got the Conda. We must be going like, put you on my mother right, but like the pussy tight, like the pussy right, but right. Shout out Mira, shout out Mr. Black, we're in the building, DJ Crowd, J7, on peut te faire, quand j'étais plus jeune, j'avais une feuille de route, pour atteindre mon niveau, faut que tu manges des croûtes, t'aimes pas ça, la Mira, va te faire foutre, faggot pussy wall, you lie d'un crook, les gars, ils ont trop, ils aiment trop mon show, c'est pour ça qu'ils me book, tu devrais voir sa face, ça paraît qu'il est chouque, fuck avec Hollywood, puis file le hook. On dort dans le studio, c'est bon, qu'est-ce qu'on cook? Je fais l'histoire, c'est marqué dans le book. Superstar crap.
tabarnak, pose d'autres questions. Yo, les rappeurs, sors les questions, man. Yo, Hollywood, pour moi, les questions. Laisse-moi pas comme Cyrano. Laisse-moi pas comme Cyrano puis Kéké. Non. Il faut qu'il demande des questions ou qu'il mette des instrus. Un des deux, bro. Yo, il va aller dans Patreon, on va aller dans Patreon. Non, pas Patreon. Attends, je sais qu'on te lève des bras un 10 minutes. Je veux juste battre. Non, vas-y, vas-y. Attends. Lui, il est plus sur mon bord, toi, tu es sur mon bord. Pose des questions. Je vais poser la question. Hey, tu quoi? Dis-moi plus, mais moi, je t'ai calé. Hey, Renzo, là, see you. Shout to Renzo, shout to Vice Good, shout to the whole team. Mais yo, tu fais du politicien sur les questions. OK. Non, mais je t'ai dit, bro, moi, je suis un gars que... Hey, crowd, écoute qu'est-ce qu'il dit, bro. Non, je comprends qu'est-ce qu'il dit, mais je peux pas te dire... C'est quoi? Tout le monde essaie d'être unique. Tout le monde essaie d'être le meilleur. On essaie juste de gagner dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme je t'ai dit tantôt, je vais pas le répéter, mais écoutez l'épisode, la chronique des alcooliques, c'est lit. Hey, je suis complètement chauve, ma vie. Job well done! Hater, ça fait pas partie de ma vie. Parce que je vais vous donner un take là-dessus qui va prendre une ouais, minute. Ouais, mais c'est pas une affaire de hater. C'est ça. Non, attends, si tu hates sur du monde... Ouais, mais c'est pas du hate. Non, mais moi, j'ai pas de réponse à dire. Y a-tu un artiste avec qui t'as moins aimé travailler? C'est pas du hate. C'est juste moi, du hate. Moi, j'ai aimé tout le monde. Tout le monde, ça a été des expériences différentes. Il y en a qui sont moins bons que d'autres. C'est cool. Mais quand on se réveille le matin... Mais lui, il veut savoir c'est qui le moins bon. Tu vois, même pas le moins bon, parce que le moins bon, ça, je trouve, ça revient à... Non, mais le moins bon, dans 10 ans, il peut être le meilleur. C'est ça, ça revient à... Drake, la chance au coureur. Mais Drake Degrassi était moins bon que Drake maintenant. Tout le monde disait ça. Bro, il y a un gars qui me dit... Drake a toujours été drôle. Il y avait une petite chaîne en or, back in the day, il y avait zéro, là. Drake m'a expliqué que un de ses amis a passé son dernier 30 000, il faisait son dernier mixtape, il a payer un feature avec Trey Song, right? Yo. 10 000 ou 15 000, c'est la moitié du mixtape avec l'infographie. Ça, c'est sa dernière course, sinon il abandonnait. Puis là, le mixtape s'est rendu à quoi? Jada Prince? Moi, je me rappelle, back in the days, il y avait un DJ qui s'appelait DJ Smalls. Il faisait des mixtapes qui s'appelaient Southern Smoke. Il était venu à Montréal. Southern Smoke, c'est des gros mixtapes, bro! Fait que lui, il est venu à Montréal au Exit, OK? Je sais pas, check les dates, là, je sais pas c'était quelle année. J'étais allé checker le DJ, puis en sortant du Exit sur Saint-Laurent, il y avait un rapper qui passait ses mixtapes avec DJ Smalls, qui était le DJ du mixtape. Puis c'était le nom du mixtape, c'était Room for Improvement. Puis j'étais comme, Room for Improvement? Who calls his mixtape that? Tu comprends? Puis c'était Drake, bro. Puis il passait ses mixtapes dehors sur Saint-Laurent. Puis comme un an plus tard, il a été découvert. Yo, c'est la soirée Exit que Buffy the Body est venu. Ça se peut. Oh, ouais, Buffy the Body. Yeah. Ouais, j'ai toujours voulu voir son mais ouais, ouais, c'est non, la, la forme avec le coup de Ouais, la forme dans le bidot, Buffy Coffee. Buffy Coffee. Yo, Buffy the Body, j'ai toujours voulu voir ce bout là. Ouais, je me rappelle. Yo, elle est malade. Yo, elle a fait des films de cul, t'inquiète. Yo, J7, ah non. Mais de l'autre côté. Quoi? Il y avait des connexions avec LA, Valentine. Google that shit, Valentine, Triple X, Cypher. Non, écoute-les pas, bro. Vas-y. Avec qui t'as... Quel est l'artiste à Montréal que t'aurais dit, là, il t'appelle? Peu importe, il dit yo. La question, je vais te reposer la même question. Il dit yo, pour de vrai, la crowd, ça va pas bien, ça marche pas, le budget est pas là. I think if we do something, I could jumpstart it. C'est qui l'artiste que tu vas jamais dire non? C'est Kid. Enima, il y a eu des moments qu'il y avait tellement de problèmes avec des cases puis avec des lawyers qu'il had to spend money. Mais moi, j'ai déjà été avec Enima, puis il y avait juste moi puis Enima puis sa femme qui était de côté. Personnel. Moi puis Enima, mettons, d'un 6 heures à midi le lendemain, j'ai pas dormi de la nuit. Je fais de l'infographie, je fais ça. Lui, il est comme là, puis il paye le record, puis il est là. Il travaille. Lui, il s'enregistre tout seul. Ouais. Il a toutes ses affaires, puis là, il commence, puis il paye le record. Puis moi, je suis en train de faire de l'infographie, puis je l'écoute, puis c'est comme, ma putain de pute, pour moi, c'est ça réussir. Cellulaire, dans ma cellule, on l'a fait atterrir. Je fume tous les matins, soir, je suis jamais lucide. Les jeux n'ont pas de diplôme, mais ils possèdent des fusils. STL. Yeah! J'ai pas de feeling to bitch. Yeah. Je suis comme major, ouais. Mais attends une minute. Enima, le monde, il y a beaucoup de monde qui dit, ah, son,
son affaire de proxénète, son affaire de... Oh, laisse ah, je m'en fous de tout ça. Ouais, laisse, ouais, le gars, laisse le gars tranquille. Tu comprends ce que je veux dire? Le gars, il travaille. Moi, j'ai déjà été avec lui. Il a fait Maybach, il a fait ça. Il a fait comme 5 tracks en 12 heures. Malade. Oh, là, il me dit, oh, ça, c'est ma mère qui a fait ça. Ta gine, il fait cuire ça. Pas algérien, type of food. Moi, je suis comme, oh, tabarnak, c'est bon. C'est pas comme la belle province, mon bel. C'est l'artiste que il donne le call, tu fly, tu y vas. Ouais, mais c'est pas même ça. Pas, non, mais que, respecte le pic. Kebenz, ça, c'est ton boy, moi. Kebenz, c'est la famille aussi. Ouais, yeah. C'est ça, là. Made a half a million out of Bendo. Ah. Moi, j'étais avec Benz, on s'en va chercher VT. On s'en va au studio Impress, my brother Impress, puis on fait. I just made a $100 million flip flop. People don't know about that, but now they know. C'est la chronique des alcooliers. Avant hier, oui. Yo, so many stories. Mais follow them shit. Il y a beaucoup, d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dope. Non. Mais ça, je trouve c'est nice. Toi, J7. Six figure wigger. Coming. Toi, J7, tu t'aurais. Quel artiste à Montréal tu dirais OK, que ce soit pour un featuring, que ce soit pour son jam? Très facile. Moi, si tu me parles d'artistes à Montréal, des gars que si holler, je vais toujours être là. Je parle de gars comme Yassé Tidon. Yeah, yo, Yassé Tidon, top. Big shout out Yassé Tidon. Yo, lui, il a poussé Yassé Tidon depuis le début. Yassé Tidon, top. Yo, 3 heures prod, GK, Yassé Tidon. En tout cas, top. Tu vas nous l'amener ici. Anyways. Ben, en tout cas, tout ce que je te dis, c'est que ce gars-là, je l'ai co-signé, ça fait un bout de temps. C'est vrai. Puis de voir qu'est-ce qu'il a fait depuis, il ouvre beaucoup de shows, il a ouvert pour Niska, il a fait la track débloquée avec The End. C'est lui qui a. Oh, OK! Wow! Come on, guys. I've been on it. Moi, depuis que je l'ai entendu, ça fait comme 2 ans, j'étais comme, yo, this guy's got something. You know what I mean? Ça, c'est un des artistes. Montréal avant que ça soit. Ça, c'est un des artistes 100% que je dirais. He needs me for whatever, big love. Il y a un autre artiste qui s'en vient, up and coming, que je trouve vraiment dope. Il s'appelle Blink. Okay. Il est associé avec, avec mon boy Blink, Impress. Blink fire, man. Blink is incredible, man. He Blink. Sings in English, ouais, in ça French, ça, in ça, Arabic, ça, ça, and he's fire. Blink. Wow. Okay. Ça, c'est un autre artiste que je dirais anytime. Je veux pas te couper, mais chronique des alcooliques, s'il te plaît, les gars sont soft. Prenez des shooters. Sérieux, les gars, man. Tout le Québec. Yo, bro. On est twisté dans ce moment. Je viens pas commencer. On a pris tous vos jujubes dans votre shit. You got a problem, I got you. Shout aux deux femmes qui sont là. Envoie-moi des jujubes. Shout à tout le monde. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Non, je veux voir un drink. Mets les caméras sur les gars. Un game, là. Un The Game style. Let's go. Pas une affaire soft. Yo, you supposed to be fucked up. Fini la bouteille. Oh non. Mais non. Hollywood, tu me dis qu'elle était cochonne puis toi t'étais pire. Come on, Hollywood. Hollywood. Yo, check moi le niaque. Vas-y, s'il vous plaît, parce que Hollywood, il y a là comme Rhode Island dans ce moment. On va finir sur ça. On finit jamais Hollywood, on gagne des points. I'm good, man. I'm sipping. Black box, non, on finit pas. Tabarnak. Let's go, yalla. Mears. 20 minutes. Mears est pressé, yalla ou les. Non, moi j'ai pas. Vas-y, donne lui. Attends. Anna, hand. Moi j'ai des questions pour vous. Non. T'as pas de questions pour nous. Depuis la première fois que vous avez fait la chronique des alcooliques, c'est quel, à part DJ Crowd, J7, c'est quoi votre meilleure entrevue? On t'a répondu. On t'a déjà, tu nous as posé la même question. C'est qui vous avez dit? Ok. Moi, j'ai dit Jérôme, moi. Moi, j'ai dit Rana Katana. Qui? Non, on va pas rentrer dans ce sujet. Non, mais toi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce que lui, on va pas parler de ça, s'il vous plaît. Non, mais multi-ethnique. Non, mais lui, il y a une garde-robe. Gardzilak, il y a une garde-robe. Non. Gardzilak, il y a une garde-robe. Abassa, avec Rana, c'est compris. C'était constructif. Sans du garde-robe, mon tabarnak. Écoute, chante à Prolifique. Je t'ai pas checké. Shout-out Rana. J-Ron, shout-out. J-Ron, I know you. Yalla, big love, everybody. Guys, mot de la fin. Dernière question, tabarnak, je pensais que vous étiez préparé. Yo, je suis préparé. Tu vois, tu tries des questions, crowd. Yo, c'est ça, là. Tu vas être des babas. Comme je te fuck up le dit. Bon, je suis pas des babas. Je cache. Complètement à jeun. Non, il est pas des babas. Combien de doigts tu vois? Pas 5 $. 4, mettons. 5. 5, ouais, non. À bout de shit! Mais non, t'as vu. What's next, man? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de J7? Sky's the limit. Checkez-moi le 30 avril au show de Naps à l'Olympia. Checkez-moi au Smith & Wesson dans quelques jours au Green Room. Ouais, checkez-moi au Metro 2023 les 3 jours. Oui. Besides that, checkez mon People tous les vendredis, tous les samedis. Checkez mon Skills After Hours tous les samedis. Wow. Checkez mon podcast, nouvel épisode tous les dimanches. Checkez mon Temps d'un jujube, nouvel épisode tous les deux lundis. You already
know what it is. Let's man. Go. J7MTL.com if you want to know the rest. That's what's go. Up, DJ Crowd. Yo, check-moi oh, les fameux jeudis à 1400 personnes à tous les jeudis au Fofun Électrique. Check-moi DJ Crowd à Saint-Barthélemy. Saint-Martin, I love you. Lotus, I see you. Cut the check, we already know. Mais sinon, on est là à Saint-Barthélemy. We lit like a feu de forêt. RIP, my brother Jean-Lou. Sinon, oh, yo... Le temps, je vais faire mes sites. Allez checker mon entrevue avec fucking podcast. Allez checker mon entrevue avec rap politique. Allez checker mon entrevue avec culture. Allez checker mon entrevue avec la chronique des acolytes. Yeah! Wow! La chronique des acolytes. Big love, tout le monde sont connectés, man. Attends une minute, sais-tu qu'est-ce que j'aime pas? C'est quand on commence à dire, hey, sors tes réseaux, on sait qu'on s'en vient vers la fin, mais qu'est-ce qui... Fuck, vraiment, c'est la chronique des alcooliques. Yo, il Sana est fou, les gars, ils Sana vont... Sana Bois! Yo, mon gars! Bonne rancée! Attends une minute. On peut-tu battre tous les records de chronique des alcooliques? Écoute, moi, transfert bancaire à tout le monde dans la place. Comment? On fait un 10 minutes. Comment? Pose des questions. Mais non, attends. Fais pas comme Kéké et Cyrano, on est mélangés. Yo, il m'a dit mot de la fin. Merci, merci d'être venu. Big love, les gars. Merci de nous inviter, les gars, for real. J7, merci d'être venu. Bon travail, for real. Merci, man. Non, qu'est-ce qui va arriver? Une dernière question, Olivier. Non, qu'est-ce qui va arriver? OK, attends une minute. Je cale la bouteille pour connaître des acolytes. Attends, attends. Non, 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 non. Non, il va avoir une prochaine fois, tout ça. Vous avez vu, vous comprenez. Sans revenir, bro. Non, 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 attends, attends, attends. La chronique des accords. Yo, bro, fuck you, parce que moi, yo, t'aimes-moi pas, là. Tequila, Anakin, pas t'en niaiser. Toi, tu me DM pas. DM-moi plus, toi, tu joues à ça, tout ça, avec ta montre, tout ça. Yo, yo, arrêtez. Yo, DJ Crash, non, vous êtes bizarre, vous autres. Je suis pas... Maintenant, les bails sont biz. Je peux pas te DM? Merci, yo, bro, vous êtes arrivé en retard. Merci, au host. Du podcast, le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. DJ J7. Yes. Je suis votre host Hollywood. Yes. Dans le voice. Yes. Mon co-host. Non, non, non. Que je suis en train de faire. Ma nigga, Edlin, le philosophe. We love control. And we out. And we out. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques.